Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bon, eh ben c'est reparti. Ça fait 15 jours maintenant. On va se mettre en gros plan. Hop, voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous nous avez manqué. On avait l'habitude de se voir toutes les semaines. On a fait une petite pause. Enfin, Ouais. c'est moi qui ai fait la petite pause. J'avais posé des jours de congé et il était un petit peu temps que j'en prenne. Voilà, donc c'était super. Salut, Dominique. J'ai Dominique Fournet. On devrait organiser un petit live ensemble sur les préférences motrices. J'ai vu Francine ce matin qui m'a passé le bonjour. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes déjà fidèles au poste. Merci de votre fidélité. Salut, GG. Comment ça va? Salut Eric, eh bien, écoute, très bien. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. On est heureux d'être Ouais, là. tout à fait. Et aujourd'hui, thématique technique, une thématique Ouais. tant attendue pour faire les formations qu'on fait ensemble avec GG et Dominique Ouais. sur l'instructeur. C'est toujours la thématique que tout le monde attend avec impatience pour délivrer. Je sais pas si on délivre des secrets on ou a quoi que ce soit, mais on attend toujours la recette un peu miracle qui peut-être va nous faire faire des strikes ou autre. C'est un petit peu plus complexe que ça, on va le voir, hein. Et puis je pense que vous allez avoir beaucoup de questions. Et notamment, je vais rebondir sur ça parce que tu m'avais dit que hier tu avais repris l'activité, GG, notamment avec tes Ouais. jeunes. Et donc, bah, si tu peux nous en parler 5 minutes des difficultés, qu'est-ce que tu as mis en place et des conseils que tu peux donner justement aux gens qui reprennent l'activité, en sachant que tous les bowlings sont pas encore ouverts, mais bon, comme ils vont rouvrir au fur et à mesure, il est évident qu'il faut pas attaquer direct et il y aura quelques consignes. Alors, vas-y, on t'écoute. Comment ça s'est Bah passé écoute, cette reprise? ça s'est bien passé. Bon, il y en a certains qui avaient déjà commencé à relancer des boules depuis hier, puisque le bowling, depuis avant-hier, depuis lundi. Et donc, il y en a déjà qui étaient un petit peu fatigués, ceux qui avaient abusé, tu connais les jeunes. Et donc, la première chose, c'est qu'ils étaient tous très heureux de se retrouver, hein. Ils étaient six. J'avais deux gauchers et quatre droitiers, trois joueurs à deux mains et trois joueurs à une main. Et bien, évidemment, tous, bah, ils voulaient lancer de la boule, faire du strike, etc. Donc, je les ai calmés d'entrée en leur disant, écoutez, on n'est pas venu là pour faire du strike, on est venu là pour retrouver des sensations d'abord. Et Ouais, c'est donc, on va clair. plutôt s'occuper de ce qui se passe sur l'approche plutôt que de ce qui se passe sur la piste. Ouais. Donc, évidemment, ça a jeté un froid un petit peu, mais bon, c'était à mon avis nécessaire. Et donc, on a commencé, après avoir regardé un petit peu les doigts, hein, la tenue de boule de chacun. Ouais, c'est ça, Alors, ce qui se passe. c'est qu'avant, tu as checké quand même les mains, voir si ça n'avait pas modifié le Voilà. volume. Hein. Et ben c'est surtout une histoire de volume, comme tu dis, parce que ben, ils ont pour la plupart plutôt maigri des doigts et du pouce que l'inverse. Ouais. Donc il y a des petits calages, hein, il y a toujours des petits calages à faire qui vont disparaître au fur et à mesure, hein, qui vont lancer des boules, bien sûr. Et puis ensuite, ben, on a attaqué avec exercice à la ligne de faute. Et du fait qu'ils n'avaient pas lancé de boule depuis 3 mois, j'ai voulu en profiter pour faire des changements. Parce que je me suis dit que la mémoire musculaire, les automatismes, tout ça étant un petit peu disparu, si tu veux, amoindri, j'en ai profité pour essayer de faire des changements, en particulier sur l'ouverture de la main. Hein, Sur parce l'ouverture que de, j'ai pas entendu, j'ai de la sur le, main. ah ok.
L'ouverture de la main pendant le lâcher, hein, de façon à laisser la boule rouler dans la main et pas cravater la boule avec les doigts comme on nous a appris, hein, pour mettre des rotations. Donc on a travaillé là-dessus et ça s'est bien passé. Et donc bah, j'ai un de mes élèves qui fait ça bien, Johnny le gaucher. Qui a fait les championnats d'Europe avec la Belgique, avec Clément aussi, un autre de mes élèves. Et Johnny avait terminé dixième individuel et Clément vingtième à Vienne là, au mois d'avril. Donc c'est Johnny qui a fait les démonstrations, j'ai filmé et après j'ai fait tout le voir à tout le monde au ralenti comment ça se décomposait, hein. Donc on a surtout travaillé là-dessus. D'accord, mais là pour la reprise, donc tu as checké d'abord la main, ça tu as été obligé de mettre des tapes Ouais. ou pas? Non, Ouais. mais ils avaient fait pour la plupart. Hein. D'accord. Et après, tu as Ils avaient commencé déjà fait. par des exercices à la ligne de faute? Voilà. Ok. Ouais. Et puis petit à petit, on est passé à des approches complètes, si tu veux, mais on a surtout travaillé doucement, hein, lancer la boule tout doucement, sentir ce qui se passe. On était plus orienté sur les sensations. Que sur envoyer la boule dans la poche, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a été, Ça sera une autre étape. y a des choses qui ont été compliquées, difficiles, physiquement ou Ouais, psychologiquement ou... c'est ben, c'est pour ceux qui ont l'habitude de cravater la boule pour la mettre en rotation, ouais, c'est difficile de faire l'inverse parce que la première chose qu'ils m'ont dit, bah oui, mais je vais perdre la boule. Là, c'est la première réflexion hein, qui vient pour les plus jeunes en particulier. Et c'est pas vrai, hein, je leur ai expliqué, mais non, votre main elle pousse, la boule, elle va pas tomber, la boule, elle va pas. Donc une fois qu'on a dépassé ce stade, après ça va mieux. Ouais, Bon, c'est pas encore acquis, hein, ça demande du travail, hein, bien sûr. Hein. oui, et on va en parler notamment sur le moment du lâcher là, qu'il faut pas essayer de mettre de l'énergie. Plus on va essayer de mettre de l'énergie, Voilà. plus on va la cravacher, et moins en fait on va mettre de Ouais. l'énergie. Donc faut vraiment que la Tout boule elle à fait. On parte lui quand. retire de l'énergie. On lui en retire plus qu'on en ajoute. Ouais, tout à fait. Eh ben écoute, je te propose Et on a fait court. Et on a fait court. Hein. Ça a Ouais. duré une heure et quart. Et je voyais qu'ils étaient fatigués pour la plupart. Hop, on a dit stop, on arrête. On se revoit mardi prochain. D'accord. Vous avez fait Et une après, petite on partie. recommence. Vous avez fait une petite Comment? partie. Vous avez fait une petite partie quand même ou pas? De score ou Non, pas? non, non, là, pas cette fois, ils étaient trop D'accord. fatigués. Parce qu'ils avaient trop joué avant. Il y en a qui étaient déjà venus à 14h à l'ouverture du bowling. Ouais. L'entraînement, c'était à 18h. Et il y en a qui avaient déjà fait la même chose la veille. Tu comprends? Ouais. Et Et donc là, ils étaient un peu cassés, hein. ben ils avaient révisé leur Ils examen, quoi. avaient hâte. Oui, ils avaient envie, hein. Bon, on verra Ok. ça la semaine prochaine maintenant. Ok, parfait. Et la semaine prochaine, on devrait faire un live sur justement les contenus d'entraînement. Parce qu'on va Ouais. passer sur la performance. Eh ben, je vous propose OK. d'attaquer. Il y a déjà beaucoup de monde. Il n'y a pas encore de questions. On compte sur vous. On vous fait confiance Ça pour va les venir. questions. Ça va venir. Juste un petit rappel par rapport aux pulls, aux fameux pulls de la scorabilité et ceux qu'on a déjà vus. Donc, c'est un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les anciens lives où on a déjà vu tout ce qui était tenue de boule, vérification du perçage, l'optimisation, le placement des tapes, très important. Parce qu'en fait, c'est la base, hein, tout ça. La connaissance de Ouais. l'environnement, donc le matériel avec quoi on joue, les surfaces, les modifications, les composantes du noyau. Tout ce qui est l'environnement, les pistes, sur quoi on joue en fait, hein, les pistes, la topographie, le huilage et ses évolutions est très important à connaître parce que c'est toujours des paramètres de la scorabilité et un élément qui est invisible et en plus qui bouge, qui évolue et qui est différent sur chaque piste, ça on l'avait vu. Et enfin, la tactique, super live là sur le comportement de la boule.
L'adaptation, on avait aussi attaqué une partie de comment composer son arsenal en fonction de son compromis vitesse-rotation. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu comment on va attaquer le pulse de la performance, en fait, c'est intéressant de voir ou de revoir ces éléments-là parce que ça donne une meilleure idée. Et ça justifie derrière pourquoi on doit s'entraîner et sur quel élément on doit s'entraîner. Et donc les pulses de la performance, donc là on va attaquer aujourd'hui toute la technique et ses différents paramètres, donc le balancier, on va vous parler des pas, des postures, du timing, du lâcher, et on va aborder aussi rapidement le jeu à deux mains. On verra donc par la suite l'entraînement, comment s'entraîner par rapport à son évaluation, les contenus, la compétition, préparer sa compétition, quelle stratégie je vais mettre en place aussi par rapport à la compétition. Et puis il y aura bien entendu un live sur le mental qui va être essentiel notamment à la performance. Voilà. Alors, pour introduire Super. ce sujet, l'objectif de la technique, il est assez complexe quand même, parce que là, on pense souvent qu'il faut avoir la bonne technique ou le geste parfait, entre guillemets. Le geste parfait, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Moi, j'ai une réponse par rapport à ça. Peut-être que tu as une réponse différente, Gégé, mais notamment, on avait passé une vidéo du geste parfait avec Gaëtan, mais c'était un reportage. Donc, le titre, hein, c'est pas nous qui l'avons choisi, hein, c'est le reporter qui avait dit, ouais, on veut faire un reportage sur le geste parfait. On lui expliquait que le geste parfait, il n'y avait pas un geste type. Il n'y a pas de copier-coller. Et on voit, hein, sur les EBT, même en France, hein, chez nous, et sur les pros, il y a différents styles en fait. Donc il y a des styles qui vont créer beaucoup d'énergie, il y a des styles où il y a moins d'énergie. Il est évident que la technique chez les filles et chez les garçons va être différente en termes de puissance, on va dire, en termes d'énergie. Il y en a qui vont jouer à 4 pas, il y en a qui vont jouer en 5 pas. Voilà, donc il y a vraiment pas de copier-coller à faire. Et pour moi, le geste parfait, c'est celui qui va vous réussir déjà dans un premier temps à lancer la boule là où vous le désirez, sur la trajectoire que vous le désirez. Ensuite, ça va être d'être capable de, donc là, on va être dans l'optimisation, d'être capable de lancer la boule sur différentes trajectoires. Et ça, c'est nécessaire. On l'a vu par rapport à l'environnement. Parce que toutes les pistes sont différentes, le huilage évolue, et donc là, faut s'adapter, faut bouger. Et donc, mon geste doit me permettre de m'adapter, de me réadapter en fonction de l'évolution du huilage. Et en plus, de rajouter de l'énergie pour être efficace dans les quilles. Donc, pour ça, je dirais que dans le geste parfait, il y a quand même des bases qui sont là, et après, c'est en fonction de ces on parlait des différentes gestuelles, en fonction de son physique, en fonction de sa morphologie, en fonction aussi de son mental, hein, parce que la compréhension peut être différente et Ouais. l'interprétation peut être différente. Mais les bases, on va être sur la coordination. Donc, on va voir, hein, notamment, c'est la notion de timing. Donc, la coordination entre le haut du corps et le bas du corps. L'équilibre qui est essentiel, notamment dans la régularité des lancers et aussi, on va le voir dans l'optimisation, l'équilibre est essentiel pour observer ce que fait la boule sur la piste. Alors, on a parlé des comportements de la boule. Si vous êtes tout le temps déséquilibré et pas en place à ligne de faute, ça va être dur de voir ce que la piste vous dit de faire, vous demande de faire. Et puis l'orientation qui est essentielle, hein, parce que si on n'est pas orienté en direction de la ligne de jeu, de la quille qu'on veut jouer, sur les sphères notamment, eh ben c'est compliqué. En tout cas, ça facilite pas la réussite du lancer. Et tout ça, ça justifie, et on verra la semaine prochaine, l'entraînement, comment s'entraîner, et la répétition gestuelle.
Et puis le dernier point, c'est ça justifie aussi la compétition parce que alors on est plus sur les contenus d'entraînement, mais si la compétition, ça permet de valider si c'est acquis, si c'est la bonne technique ou pas. Voilà, ce qu'on appelle le transfert. Donc c'est le transfert des compétences que j'ai acquises à l'entraînement. Et après, j'automatise, c'est-à-dire que c'est là où la confiance elle intervient. C'est-à-dire je suis capable de faire quelque chose et je suis capable de reproduire cette chose-là sur différents contextes, et notamment les contextes des différentes conditions de jeu, mais aussi le contexte psychologique qui est je suis capable de transférer mes compétences en situation de stress, par exemple. Voilà. Ok, moi je voudrais rajouter pour revenir sur ce que tu disais au départ. Vas-y. Tu parlais de copier-coller. Moi je vais parler de clone. Ce qu'il faut surtout pas faire, là je m'adresse surtout aux instructeurs, c'est n'essayez surtout pas de cloner vos élèves. Ça c'est, faut surtout pas faire ça. Chacun d'entre eux va faire. Va appliquer les bases, hein, les fondamentaux en fonction de sa morphologie, de sa perception du jeu. Et donc, surtout pas essayer de faire des clones, hein. Alors, les Ouais, fondamentaux, bien sûr, c'est les mêmes pour tout le monde, mais ils vont les appliquer chacun à leur façon. Il ne faut pas essayer de les traumatiser, je dirais, même en les amenant tous à jouer de la même façon rigoureusement, quoi. à fait, ouais, tout à fait. Et ce que tu disais là, c'est que en fait, le clonage, s'il y a une technique qui marche bien pour une personne. Le seul clonage que vous pouvez faire, je dirais, c'est par la sensation. C'est pour ça que c'est important de mettre une sensation sur ce qu'on ressent. Parce que par exemple, la sensation d'amener la boule vers l'avant va être différente pour chaque individu. Et le discours que vous allez avoir de dire amène la boule vers l'avant, il y en a qui vont bien le faire, il y en a qui vont l'amener légèrement vers le haut, légèrement vers le bas, mais ça va pas être des défauts. Parce que ce qui va compter, c'est le résultat au bout. Donc amener la boule vers le haut, bah, c'est pas très gênant, ça peut modifier le timing, etc. Mais l'essentiel, la technique, le geste parfait, en fait, va être validé par le résultat sur la piste, sur la Ouais, capacité vaut mieux d'avoir. travailler à l'envers, hein, travailler à l'envers, voir le résultat, et s'il y a un problème, effectivement, vous remontez à l'origine du problème. Mais il faut pas que tout le monde soit rigoureusement identique en position de départ, sur le premier pas, sur le deuxième pas. Voilà. Pour regarder ce qui se passe à la ligne de faute, s'il y a problème, effectivement, vous remontez et vous travaillez. Et faire les choses simplement, pour que ce soit facile à répéter. En fait. Alors, on va parler donc d'abord du balancier. Donc la logique, hein, l'apprentissage de la logique, c'est déjà de commencer par le balancier, parce que c'est le balancier, c'est ce qui va nous permettre d'envoyer la boule sur la piste. Donc pour ça, on n'a pas besoin d'épas pour le moment. Ensuite, on va rajouter des pas. On va voir quel intérêt il y a de rajouter des pas. Les postures qui vont nous aider notamment à rajouter de l'énergie au niveau du lancer. Et puis enfin, le lâcher. Et vous allez voir que le lâcher, c'est une composante de tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez pas, par exemple, je veux mettre plus de rotation, bah, vous pouvez pas le faire comme ça. Ça va passer par le balancier, ça va passer par le timing, notamment, même essentiellement. Donc le lâcher, c'est un résultat de quelque chose. Ça vient pas comme Tout à ça. fait. Et tous et toutes que vous êtes là, bah, en fait, vous avez votre propre lâcher. Et alors peut-être que pour vous, votre lâcher il est idéal, ou peut-être que vous aimeriez l'améliorer, ou vous en êtes pas content. Mais en tout cas, ce que vous faites, c'est le résultat de votre technique. Voilà. Et donc, on va modifier la technique, on va optimiser la technique pour, de temps en temps, modifier le lâcher et notamment, l'énergie. Alors, cette logique-là s'adapte, hein, autant au jeu à une main qu'à deux mains. On verra les différences entre le jeu à une main et le jeu à deux mains, et notamment sur les postures. Donc l'objectif
d'envoyer régulièrement la boule sur une trajectoire. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier le perçage, parce que vous pouvez pas. C'est Vous y couperez pas. compliqué. Ouais, c'est compliqué de travailler une technique, de travailler un balancier, de travailler un timing, si déjà au niveau de la tenue de la boule, on n'est pas confortable. Parce que le fait de ne pas être confortable, bah, ça amène des crispations. On est tendu, on pince la boule. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est être dans le relâchement pour privilégier justement la répétition et l'énergie. S'il y a du relâchement, il y aura de l'énergie. Donc, Alors c'est un peu pervers, c'est un petit peu pervers cette histoire de tenue de boule parce que tu disais si vous vous sentez bien, mais la plupart des joueurs et des joueuses se sentent bien dans leur boule Ouais. parce que ils ont pris l'habitude. Hein, dans le monde entier, il y a malheureusement beaucoup de tenues de boule qui sont pas correctes, mais les joueurs trouvent des solutions. Hein, ils arrivent à jouer. Et le problème, c'est d'être sûr que votre tenue de boule, elle est correcte et qu'elle vous permet d'optimiser votre jeu. Parce que je vous assure que dans certains cas, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont un potentiel, important, mais le simple fait de ne pas avoir une tenue de boule correcte, c'est 50% de votre potentiel, hein, qui s'évapore. Ouais, c'est Et clair. c'est là toute la perversité de la tenue de boule. Il faut vraiment que vous soyez certain que, en particulier, que votre trou de pouce soit pas trop large. Hein, c'est 90% des problèmes, c'est la taille du trou de pouce. Hein. Ouais, c'est clair. D'où C'est vraiment la base. l'importance de mettre des tapes. D'où l'importance de mettre des tapes et l'importance de les changer régulièrement. D'accord? C'est pas une fois par an. C'est les Américains, ils disent c'est toutes les trois parties, il faut changer le tape du dessus. Trois Ouais. parties. D'accord? Trois. Ouais. J'en profite pour passer un petit coucou à Francine que j'ai vue ce matin. Et il y a une première question de Joël. Alors, Joël, si vous avez des questions, parce que c'est partagé sur ma page, mais sur ma page, on ne verra pas les questions. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-la sur la page de la page Facebook de la fédération. Là, on peut les voir. Là, je pourrais les voir. Et donc, Joël, il y a déjà une première question qui est très technique. Y a-t-il une solution, une méthode pour ceux qui, comme moi, ont tendance parfois à avoir le coude qui passe devant? Donc là, je pense qu'on est sur une problématique de timing et de retour de balancier Ouais. qui est trop rapide. Alors, une première question d'Henriette. Bonjour Henriette, et bonne lecture. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message comme quoi tu avais commandé le livre, le guide de l'entraînement. Tu vas voir, tu vas te régaler. Alors, quelle fréquence de vérification du perçage afin d'éviter toute perte d'énergie? Je te laisse répondre à ça, GG. Alors, voilà, il y a des moments clés dans la saison, en particulier pour les jeunes, c'est après les vacances, à la reprise au mois de septembre. Là, il faut tester tout le monde, parce que là, vous allez avoir vraiment des grosses surprises. Et puisqu'on parle des jeunes, en particulier, dès que il faut avoir une relation avec les parents, dès qu'il y en a un qui change de pointure, de chaussures, il faut absolument checker la main parce que la main, elle a grandi comme les pieds. Hein? Et c'est un indice, quoi. Hein? C'est un avertissement. Et donc, il faut vérifier aussi la taille et la forme du pouce, hein? Parce que pour ceux qui jouent beaucoup, eh bien au bowling, c'est le pouce, hein, qui et les doigts qui changent de forme, hein, il peut se former des cales, etc. Donc il faut vérifier tout ça régulièrement. Après, pour les personnes âgées, pour les vétérans, il faut aussi regarder de temps en temps, en particulier la flexibilité, hein, des articulations.
et faire des aménagements pour garder le confort et surtout, comme disait Eric, que ça vous amène à avoir un lâcher naturel, qu'il n'y ait pas de crispation, hein, qu'on ne soit pas cramponné sur la boule. On n'ait pas peur de perdre la boule pendant dans le balancier. Ouais, d'ailleurs, on va le voir sur la vidéo avec Verity Crowley là, où la boule elle tombe en fait, Ouais. elle met pas Ouais. d'énergie quoi. Et effectivement, comme dit Manu, salut Manu, c'est que y en a même qui se blessent. Moi, je me souviens quand je jouais, je me blessais au pouce. Ah oui, il Bah, joue quand même. à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de connaissances. Bah, en fait, je mettais des pansements, je mettais des choses comme ça. Au lieu de penser, enfin j'y pensais pas, mais et mon perso n'avait peut-être pas la connaissance, mais pour moi c'était normal quoi. Sauf que c'est pas normal de se blesser. Alors là, j'en ai une à vous raconter. Ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé, ma première boule, je l'ai faite percer en 1970. Bon, bah, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas nés, hein, forcément. Et donc, cette boule, elle est arrivée. Donc, il y avait quelqu'un au bowling de Marly-le-Roi qui prenait les mesures. Ça partait chez AMF à l'époque, à Levallois-Perret. Et la boule, elle est revenue 15 jours après. Et donc, j'ai joué avec. Et au bout de 3 lignes, j'avais le pouce en sang. Hein? Et donc, bah, je fais voir. C'était Jean Kefelec à l'époque. Bonjour Jean, s'il est là. Ouais. Et puis, bah, les joueurs autour, ils me disent, bah non, t'inquiète pas, GG, ton pouce, il va se faire. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Hein, il n'y avait pas de tape, on n'ovalisait pas les trous de pouce. Le pouce était plutôt serré sur les côtés dans la boule. Et donc, bah, fallait qu'il se fasse. Hein, au début, la peau, vous aviez des ampoules, après vous aviez des cales, et après on pouvait continuer à jouer. Oui, c'est la même chose qu'à la boxe, quoi. T'inquiète pas, le nez, il va se faire, quoi. Voilà. Et une question encore sur le perçage. Comment savoir si le pouce est assez serré dans le slug, GG? Alors, si vous n'avez pas quelqu'un, un perceur à côté de vous, essayez simplement en mettant la boule dans le remonte-boule, vous essayez, alors pour les doigts et pour le pouce, vous mettez les doigts, vous essayez de soulever la boule juste avec les doigts, et pareil avec le pouce. Hein, vous essayez de lever la boule en la tenant seulement avec le pouce, et vous allez bien voir, si vraiment il est trop grand, vous n'arriverez pas à la lever. Hein. Ok, le premier exercice qu'on peut vous proposer, on reviendra sur cet exercice, mais on va montrer une vidéo. C'est de se mettre à la ligne de faute. Et en fait, donc on va voir la posture à la ligne de faute qui permet idéalement de réaliser cet exercice. Donc on se place au milieu de la piste. L'idée, c'est de sentir que c'est la boule qui va faire balancer le bras. Donc, il n'y a pas de mouvement forcé, pas de mouvement exagéré. On laisse vraiment la boule balancer et on fait rouler la boule sur la piste. Donc, les critères de réussite, c'est que la boule, elle part sur la trajectoire voulue parce qu'il n'y a pas de mouvement parasite. En fait, à partir du moment où vous envoyez la boule dans une direction, si vous la laissez faire, elle va revenir dans la même direction. Et puis, bien entendu, que le corps reste en équilibre. Une petite question d'Henriette encore. Utilité de mettre des petites tapes sur les côtés? Si oui, comment les placer? Je ne sais pas si on met GG des tapes sur les côtés. Alors, je sais que les professionnels le font hein, pour Ouais. s'ils veulent ralentir la sortie du pouce, hein, mais moi je vous déconseille de mettre des tapes sur les côtés parce que, ah bah, sauf si le trou de pouce est vraiment trop large, hein, à ce moment-là vous pouvez en mettre tout le tour, mais c'est surtout devant, derrière, hein, c'est surtout pour pincer ici, hein, pas sur les côtés. Hein, sur les côtés, ça doit être libre. Et on doit être tenu devant, derrière. Ouais, là on est vraiment sur la base. Après, on peut en mettre sur les côtés, bon, parce qu'il y a certains pros, j'ai vu Dominique Barrette effectivement aussi le faire, mais c'est spécifique à eux. Et à partir du moment où Oui. ça blesse pas, et c'est propre à eux,
Tout à fait, mais c'est pour s'adapter encore plus facilement à ce que demande la piste, hein. Tu comprends? Et donc, l'histoire du tape, hein, on va se répéter, mais vous n'êtes pas toujours tous présents. Voilà, le principe de mettre des tapes dans la boule, c'est vous mettez un tape, alors vous le mettez bien en appui sur la face avant du pouce, donc à l'avant, hein, du côté qui est en face des doigts sur votre boule. Vous regardez, vous mettez vos doigts, vous introduisez votre pouce et vous regardez l'orientation du pouce et vous mettez le tape à cet endroit-là. Vous lancez la boule, ok, le pouce il sort toujours. Vous remettez un deuxième tape, un petit millimètre plus bas. Vous relancez la boule, ça sort toujours. Vous en mettez un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Ça m'arrive souvent, hein, quand j'ai des nouveaux joueurs qui viennent me voir, de mettre six ou sept tapes et le joueur il lâche toujours la boule, hein. Vous vous rendez compte? C'est 3 dixièmes de millimètre un tape, hein. Donc on en est à 2 millimètres de tape, hein. Et une fois que vous n'arrivez plus à lâcher la boule, vous enlevez le dernier tape que vous avez mis. Votre pouce, il est calé correctement. Ouais, et souvent, Non, mais surtout, il faut bien regarder dans quelle direction appuie votre pouce, hein. C'est pas forcément dans l'axe des doigts. ouais. C'est souvent plutôt à droite de l'annulaire, hein. Ouais, Souvent, mais là, vous êtes à 30 ou à 45 degrés. je vous propose de revoir le live sur la tenue de boule parce que tout ça c'est expliqué, notamment Voilà. sur le placement des tailles. Et c'est vrai que pour l'avoir fait ensemble hein, dans les formations, de rajouter des tapes, c'est que au fur et à mesure qu'on rajoute des tapes, en fait, ça amène du relâchement dans le jeu. Parce que le Ouais, le joueur lâcher s'améliore. et le lâcher s'améliore. C'est-à-dire que le fait de rajouter des tapes amène du relâchement et tout d'un coup amène plus de rotation, plus d'énergie. Et donc, et effectivement, ça rejoint la réflexion à David, surtout ne pas pincer la boule. Ouais, salut David. Il faut pas pincer. C'est Voilà. vous Dès que pouvez. vous pincez, il faut mettre des tapes. Ouais, et lorsque vous pincez, ben ça va vous enlever de la précision et de la régularité, automatiquement. Parce que vous Oui, allez pincer. la boule, elle partira jamais au même moment, hein. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, salut Jacotte. Et là, ma boule ne sort plus, j'ai plus confiance. Alors ça, c'est une grosse problématique, la confiance. Et c'est quelque chose qu'il faut travailler à l'entraînement. Il faut avoir confiance, il faut pas avoir peur de perdre la boule. Si tu perds la boule, je parle en termes de bowling, hein, je te parle pas de perdre la boule, perdre la tête, mais si la boule elle tombe, c'est le début de l'optimisation de l'énergie. Parce que ça commence par là. Il faut que la boule elle tombe de la main. Après, il y a des choses qui vont rajouter. Mais si tu pinces la boule, bah, tu vas être obligé, comme dit GG, à quel moment tu vas dépincer. Je sais pas si ça se dit, dépincer, mais pour que la boule, elle Ouais. sorte. Donc, tu vas le faire un coup derrière la cheville, un coup devant la cheville, un coup au niveau de la cheville. Donc, ça va modifier Ouais. la profondeur de pose. Ça va modifier ton axe. C'est-à-dire qu'un coup la main, bah, tu vas la Et les lâcher comme ça, rotations. un coup tu vas la lâcher comme ça, un coup la boule va glisser loin, un coup elle va se mettre à rouler tôt. C'est impossible à gérer. Donc ta confiance, c'est déjà le travailler en entraînement et tu prends pas de risque à l'entraînement que la boule elle tombe, que la boule elle tombe, que la boule elle tombe. Et donc faire notamment des exercices à la ligne de faute. Et notamment ce premier exercice-là. Donc s'entraîner à ce que la boule, elle tombe. Elle tombe du pouce, hein, Oui, elle pour tombe pas du qu'elle tombe pouce. derrière, hein. Non, non. Elle J'ai d'autres échappe. Elle échappe du questions. pouce. Sylvain, moi je scotche le pouce entier Ouais. plus les deux doigts parce que ça me facilite la sortie du pouce et arrachement de la peau des deux autres doigts.
quoi faire pour ne pas avoir de blessures. Bah, les blessures, Ah oui, là. faut. Vas-y, GG, vas-y. Ben là, c'est pas forcément le problème du perceur, hein. Moi, j'ai aussi des élèves qui s'habillent les doigts, en fait, hein, ils font des poupées, hein, parce qu'ils ont la peau très fragile. Et sinon, au bout de trois lignes, bah, ils n'ont plus de peau sur les doigts, hein, ou sur le pouce. Donc après, c'est pas Peut mettre des forcément un protections. problème de perçage. Oui, Ouais. c'est alors moi je suis pour les protections. D'abord, on voit bien que les pros, ils se protègent tous, hein, parce qu'ils jouent énormément de parties. Sinon, la peau, bah, c'est que de la peau, hein, c'est pas fait pour résister. Pour faire les 24 heures de bowling, hein, Et donc, pour finir, est-ce qu'on va enchaîner? Mais elle tombe toujours. Si elle tombe toujours, faut mettre des tapes. Et si à un moment, tu as beaucoup de tapes, si tu commences à avoir 3, 4, 5 tapes, 6 tapes, et que là, elle continue à tomber, bah, il faut reboucher et refaire un pouce qui soit plus petit. ouais. Et il faut aussi Globaliser. regarder le timing, hein, Jacqueline, Ouais. parce que si ton timing est trop en retard, en fait, la descente de la boule, elle est beaucoup plus verticale si le timing est très en retard, et ça fait tomber la boule aussi, hein. Je te confirme, D'accord? GG. Au lieu d'avoir un arc de cercle pour la fin du balancier, juste avant de lâcher, on se retrouve avec une verticalité du swing, puisque le corps il est arrivé avant la boule. Hein? Donc voilà, faut checker ça aussi. Hein? Je te confirme que son timing il est en retard. Par avoir vu des Bon. vidéos, son timing il est en retard Ah, c'est une joueuse, c'est ouais, une crankeur, peut-être. non, 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 son timing, il est en retard dès le départ. Donc, à l'arrivée, D'accord. son balancier, il fait ça, 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 ça. Donc là, Voilà. on est obligé de pincer, quoi, si tu veux. Ouais. OK. Alors, je vais revenir à la diapo. Donc, la position, ligne de faute pour travailler. On va voir des vidéos après, hein. L'idée, c'est de créer, je vais le mettre en grand, c'est de créer cet alignement boule-tête. Donc, il faut, donc on se place sur le milieu de la piste. La jambe du côté de la boule, elle est déhanchée et vous voyez l'inclinaison du haut du corps. Donc, il faut essayer d'avoir la boule qui soit le plus près possible de la cheville. Et donc, l'épaule du côté de la boule sera plus basse que l'autre, de façon à ce que la boule soit amenée le plus près possible de la cheville. Voilà. Donc ça c'est l'idée de la posture. Alors, attends, on revient sur la posture, Vas-y, vas-y, s'il te vas-y. plaît, Eric, parce que je voudrais parler d'une chose qui me chagrine depuis plusieurs années. Alors, dans le temps, on apprenait aux joueurs, dans la formation des instructeurs, à faire lâcher la boule très près de la cheville et au niveau de la cheville. Et donc là, cette photo, moi, me paraît vraiment bonne. Dans le sens où cette jeune fille, vous voyez que si elle l'avait lâchée plus bas, la boule, elle se la mettait dans la cheville. Donc c'est pas lâcher la boule au niveau de la cheville, c'est lâcher la boule juste au-dessus de la cheville. Et ça permet de rapprocher encore un peu plus de la jambe et d'avoir un lâcher qui soit encore plus puissant. J'ai une question de Xavier. Salut Xavier, j'ai pas vu la question sur la page la Fédé, mais sur ma page, qui demande quel est le maximum de tape que tu conseilles pour le pouce? Alors, il n'y a pas de maximum, mais j'ai en tête, il y a un joueur aux États-Unis qui a gagné un tournoi avec 33 tapes dans le trou de son pouce, quoi. Hein? Alors, Ça paraît évidemment, si... inimaginable quand même. Ouais, mais c'est vrai. Et alors, moi, je dirais, au-delà de 3-4... voilà, après il faut quand même retourner voir votre perceur. Il faut tenir compte d'une chose quand même, c'est est-ce que votre pouce varie beaucoup Ouais. de dimension?
Est-ce qu'il gonfle, est-ce qu'il dégonfle, etc. Parce que ça nécessite, moi par exemple, je commence avec 4 tapes et au fur et à mesure du jeu, à la fin, au bout de 6 parties, j'en ai plus. Alors j'ai plusieurs pouces, hein, mais j'aime bien celui-là. Moi, même dans mes pouces interchangeables, j'ai des tapes. Et donc, faut ceux qui n'ont pas de pouces interchangeables, s'ils ont un pouce qui diminue au fur et à mesure, ou qui gonfle au fur et à mesure, bah, il faut être capable de pouvoir en enlever ou être capable de pouvoir en rajouter. Et dans mon cas, moi, mon pouce, il désenfle, enfin, il enfle au fur et à mesure. Ma femme, c'est le contraire, on pourrait se prêter les tapes. Elle, son pouce, la chair se tasse au fur et à mesure qu'elle joue. Donc, elle rajoute des tapes et moi, j'en enlève. Ouais. Après, Et il y a des gens qui sont. donc l'idée, c'est Ouais, mais d'avoir bien. trois tapes ou quatre tapes ou cinq tapes ou même six tapes, Ouais, c'est pas complètement maximum. Ouais, parce c'est beaucoup, que hein, c'est beaucoup. oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que six tapes, c'est raisonnable à partir du moment où tu vas peut-être en enlever quatre parce que tu vas jouer avec deux Voilà. tapes et tu es obligé d'en Tout rajouter. à fait. Ouais. Par contre, si tu as tout le temps six tapes et si tu les enlèves pas, bah, mieux changer Voilà. Ouais. le Il faut faire pouce, quoi. percer plus petit. Faut faire percer plus petit, ouais. Là, on va rentrer dans la technique. Salut Anto, la position du pied à la fin du lâcher est super importante. En fait, c'est le pied, pour moi, le pied doit être droit. Si le pied, il arrive et qu'à la fin, hop, il fait un écart comme ça veut dire qu'il y a une compensation. Il y a un mouvement qui peut être parasite. Le pied, il va arriver droit. La position du pied, bien entendu, elle doit être cohérente par rapport à la trajectoire que tu joues. Ce qui est essentiel, c'est le haut du corps. Et le haut du corps, je vais enlever ça. Le haut du corps, il peut être comme ça en fonction de la trajectoire que tu joues. Ça ne modifie pas le pied. C'est le haut du corps qui est orienté en direction de ta trajectoire. Au niveau des pas, Eric, ben ça, on va le voir. On va en parler. On va voir qu'il y a un maximum de joueurs qui jouent en 5 pas. Une autre question. Que pensez-vous d'un cerf de pouce amovible? Des pouces interchangeables, je suppose que c'est Ouais. ici. Ben, si y a des volumes de pouces qui se modifient énormément, là, ça peut être intéressant. Justement. Ben, c'est l'intérêt du pouce interchangeable, hein. Bien sûr, si vous avez des boules avec un pouce interchangeable, première chose, il faut que vous en ayez au moins deux, hein, Ouais. parce que imaginez votre pouce il casse, vous avez plus de boules. Donc en général, il en faut deux ou trois, suivant que vous avez des variations plus ou moins importantes de la taille du pouce. Voilà. Ok, pour avancer, il y a longtemps que je n'avais pas dit ok, dis donc. Donc le travail du balancier, il est simple à faire au début, c'est sentir que c'est la boule qui va faire balancer le bras. Et donc toute la difficulté, ça va être justement ce timing, parce qu'on va y associer des pas. Et pourquoi on associe des pas? En fait, les pas, ils servent principalement à une chose, c'est qu'on va rajouter de l'énergie. Donc on peut faire un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas. Il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Mais une fois qu'on a ressenti le balancier et qu'on arrive à envoyer le balancier régulièrement sur la trajectoire, dû notamment au relâchement, à la sensation, ben là on va rajouter un pas et notamment on va faire l'exercice du dernier pas, qui va nous permettre, et là on va s'apercevoir que tout d'un coup la boule va aller plus vite. Et peut-être qu'il va y avoir aussi plus de rotation. Voilà. Ouais, Donc sûrement. on rajoute un pas. Donc cet exercice-là, je me répète, mais on va voir les vidéos après, c'est le même exercice que le balancier. Et là on va rajouter juste le dernier pas. Donc on se met un pas et demi derrière la ligne de faute. Et donc là, bah en fait, il faudrait démarrer, on va le voir avec le timing, quand la boule est en haut du balancier. Là, à ce moment-là, on fait le dernier pas. Voilà, donc on associe des pas pour commencer à travailler le timing.
Il y a une validation qui est importante, qui est essentielle. C'est que si vous travaillez juste le balancier, par exemple, à la ligne de faute, vous avez des bonnes sensations de la boule qui roule dans la main, que la boule part bien dans la trajectoire, et que vous rajoutez un pas, vous rajoutez deux pas, trois pas, et tout d'un coup, la boule, elle part pas là où vous voulez, vous perdez de la précision, c'est que le timing, il est pas bon. Parce que au niveau du balancier, vous avez réussi à le faire, le fait de rajouter des pas, et qui vous fait, si ça vous fait perdre de la précision, de la régularité, ou que vous forcez, ou que le poignet il tourne, là, à ce moment-là, il y a une problématique sur le rythme et sur le timing. Donc, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais aussi, moi, j'aime bien, notamment, on le voit sur la vidéo, c'est faire des exercices sans la boule. Et notamment, faire des mouvements de balancier sans la boule, faire des approches à quatre pas ou cinq pas sans la boule. Voilà, répéter le mouvement et aussi faire les mouvements au ralenti. Au ralenti, ça vous permet d'associer des sensations. Donc là, vous voyez ces jeunes filles là, en fait, elles répètent, elles essayent de sentir à quel moment je vais effectuer mon dernier pas. Et donc, il y a pas, ça vous pouvez le faire chez vous, hein, il n'y a pas besoin d'une ligne de Bien faute, sûr. donc là, sont sur l'approche. Et ça, moi, je vous conseille de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Donc là, le balancier, il monte. Et lorsque la boule est en haut, donc à gauche, je me souviens plus son prénom, mais elle a tendance à ramener un peu le bras rapidement, mais peu importe, c'est de répéter le mouvement. On va voir une autre vidéo. Donc là, voilà. Donc lorsque la boule est en haut du balancier, là je fais mon dernier pas. Donc là on est dans le timing. Et donc Bah, laisse la l'idée, vitesse normale parce que je suis à la vitesse là c'est normale. haché, Ah c'est c'est haché. ah. Je peux pas le modifier. Donc l'idée c'est vraiment que la boule fasse son job. Le corps lui ne rentre pas en jeu. La boule fait le balancier et l'idée c'est vraiment de laisser redescendre la boule. Hein, on ramène pas la boule, on laisse redescendre la boule. On cherche pas à mettre de l'énergie au début. On laisse juste la boule faire redescendre le bras. Parce que souvent la clé du problème c'est que en fait, quand la boule est derrière, on a tendance à vouloir mettre de l'énergie et on a tendance à ramener la boule trop rapidement. Le corps, il prend C'est la souvent ce qui arrive. posture et la boule, elle ramène le bras. C'est pas le bras qui ramène la boule. Ouais. Ben, je ne sais pas pourquoi c'est haché, parce que pour moi, là, Ouais, ben c'est moi, bon. c'est tout haché. Voilà. Ok. Je ne sais pas si pour Alors, vous, j'espère j'espère que c'est pas pour tout le monde. pas. Alors, je vais mettre quelques questions. Eric, une petite question. Pendant ce balancier, le poignet est dans quelle position? Ben, en fait, là, on privilégie la main derrière la boule et que la main reste derrière la boule. Donc, plutôt un lâcher qui soit à zéro. Et c'est d'autant plus important que si vous réussissez à faire un lâcher, donc vous partez avec cette position de main là au départ. Si à la fin la main elle tourne, ça veut dire que vous avez accéléré le bras. Ouais. Donc ce qui est intéressant dans le lâcher à zéro, c'est que ça va valider le fait que c'est la boule qui fait redescendre le balancier. Si c'est Et vous alors après vous, ouais. qui ramenez le bras, la main va avoir tendance à faire ça. Et le coude va avoir tendance aussi à sortir, par exemple. Et ça peut venir aussi du fait que vous avez avancé le pied trop tôt par rapport à la boule, ce qui fait qu'après, votre cerveau, lui, il sent que les pieds ils sont en avance et ça vous fait accélérer le bras pour rattraper le décalage. Ouais, là, Donc le timing, c'est vraiment important, hein. faut vraiment attendre que la boule soit en haut du balancier avant de déclencher Ouais. le dernier pas. Que je fasse quatre pas ou cinq pas, je déclenche toujours mon balancier au troisième pas. Oui, je sais, Jacotte, je sais.
Mais je te rassure, tu n'es pas la seule dans ce Oui. cas-là. Et en fait, il faut faire des exercices, notamment le dernier pas. Là, les trois derniers pas aussi, on va le voir. Et tu ressens le pendulum aussi. Je ne l'ai pas mis, mais on va le voir sur le contenu d'entraînement. Le pendulum, ça aide, mais pas l'ancien pendulum comme on pouvait l'enseigner. Mais Ouais. le pendulum moderne, je dirais entre guillemets, qui nous amène à un bon timing. Salut Yvon, la jambe droite doit-elle être, j'imagine, aussi écartée sur le côté lors du lancer? En fait, la jambe du côté de la boule, donc la jambe droite pour les droitiers et la jambe gauche pour les gauchers, elle doit s'effacer en fait. Et est-ce qu'elle doit être écartée ou pas? Là, c'est pareil, il y a différents styles. On va pas dire il faut qu'elle Ouais. soit à tel degré par rapport à la position du corps. Ce qui est important, c'est que au niveau du timing, lorsque la boule redescend, là, il faut que la jambe elle s'efface, parce que si la jambe elle s'efface pas, la boule, qu'est-ce qu'elle Le va faire? coude. Elle va contourner le corps, parce que par sécurité, le corps, lui, il va pas se cogner dans la jambe. Donc, il faut que la jambe s'efface pour que la boule puisse revenir près du corps. Et la jambe, elle va donc s'écarter ou s'effacer, mais il faut pas qu'il y ait une limite, si tu veux, parce qu'il faut pas qu'elle entraîne le haut du corps. Parce que si tu l'écartes sur le côté et que le haut du corps, ça l'entraîne aussi, ben là, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça Alors là, qu'au niveau du timing, c'est important que le dernier pas doit se faire lorsque la boule est en haut du balancier. Ça laisse le temps à la jambe de s'effacer et après la boule, elle peut passer. on peut parler quand même de 45 degrés, hein, allez, entre Moyenne. 45 et 60, mais c'est vrai que si c'est 80 ou 90, là, ça fait pivoter les hanches et tout le corps, quoi. Voilà. Et ça fait faute sur la piste d'à côté, hein. Ouais, alors ça peut être une stratégie, hein. Donc, il y a quelques questions techniques sur le timing. Stéphane, voilà, donc ça, on y reprendra tout à l'heure Ouais, on va en sur parler. le timing en retard. Une question de Philippe, ça aussi, on pourra en parler, notamment sur l'accompagnement. Ouais. Voilà. Les trois derniers pas, ben j'espère que la vidéo ça va aller. Donc l'exercice du trois des trois derniers pas, moi je vous recommande aussi d'en le faire de le faire pratiquement à chaque À entraînement. chaque entraînement, ouais. Et même en termes d'échauffement, d'arriver, de se mettre à la ligne de faute, de faire quelques balanciers, de laisser faire la boule, ça permet de s'échauffer, de faire le dernier pas, après d'enchaîner sur les trois derniers pas. Pour avoir été à Singapour, là, j'ai suivi leur entraînement sur les sports d'études. C'est chaque entraînement, ligne de faute, dernier pas, trois derniers pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les trois derniers pas au niveau des timings, en fait, on va démarrer lorsque la boule va se situer en bas. Je vais envoyer la vidéo. J'espère que ça va aller. C'est saccadé aussi. Ouais. OK. Donc là, Ah, c'est marrant parce que sur mon PC, non? ouais, ben moi non plus, c'est pas saccadé. Bon, peu importe, on va pas le modifier maintenant. Et là, Non. ce qu'on peut voir au niveau du timing, c'est qu'on va démarrer donc le pied opposé, hein, lorsque la boule a atteint son point le plus bas après avoir amené la boule vers l'avant. Là, ici. Voilà. Alors le premier pas, il est assez grand, normalement. Le Ouais. deuxième, c'est-à-dire l'avant-dernier, il est plutôt court. Et puis, critère de réussite. Donc, réussir à envoyer la boule sur la trajectoire et la stabilité. Voilà. Être capable de rester en équilibre.
Anto, quelle est la recette du lâcher des bons joueurs pro avec des rotations à une main, avec le jeu à une main? Non, 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 il n'y a pas besoin de, Non, c'est il n'y a pas pas besoin de, il musclé. n'y a pas besoin de se muscler au bowling pour mettre de l'énergie. C'est juste souvent une question de timing. Dès qu'on est obligé de se muscler, de renforcer, à moins d'être fragile, hein, à moins d'avoir des soucis articulaires ou tendineux, mais si on a besoin de se muscler, si on est faible, c'est faut d'abord checker le timing et peut-être le poids de la boule aussi. Et le perçage. Et toujours la base, le perçage, en effet. Alors, là, j'espère que ça va aller aussi. On a les vidéos des différents exercices. Alors, c'est des exercices que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez Verity Crawley. Voilà. Et là, ce qui est intéressant dans la démonstration, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'énergie. Je tire pas sur les doigts. Il y a que le bras qui bouge. Ouais. J'enlève le son parce que j'avais le son. Là, le dernier pas. Donc la boule, elle monte toute seule, elle revient toute seule. Et on laisse faire la gravité, en fait, hein. Là, elle le marque Ouais. notamment, laisser faire la gravité. Voilà, lorsque la boule est en bas, là, elle démarre son pied opposé, boule en bas, voilà, démarre son pied opposé. Et vous voyez, le balancier, en fait, il est facile, le balancier, il est fluide. Et comme je vous l'avais dit, je vais la remettre au début. Si vous exécutez le balancier parfaitement et dès que vous rajoutez les pas sur le dernier pas ou les trois derniers pas, et là tout d'un coup, ben, vous sentez que vous forcez, c'est un problème de timing direct. Et là, les pas ne doivent pas prendre le dessus sur le balancier. Le maître du jeu là-dedans, c'est le balancier. Ouais. Donc après, il va être évident, c'est difficile à maîtriser, hein, mais ça, c'est les exercices que vous pouvez faire notamment à l'entraînement, c'est varier les hauteurs de balancier, varier les départs, varier les différentes tenues de boule, varier les orientations. Par exemple, l'exercice à la ligne de faute. Moi, je vous conseille d'abord de vous mettre au milieu de la piste et puis après de vous amuser à faire la qui 7 et la qui 10 en étant la ligne de faute. Et après, vous rajoutez un pas, vous faites la même chose, donc au milieu de la piste. Et puis après, vous mettez des objectifs de réussite en jouant la qui 10 sur un pas, en jouant la qui 7 sur un pas. Et plus vous allez mixer, plus vous allez faire tout ça, plus vous allez ressentir et plus vous allez avoir des compétences et plus vous allez gagner en confiance également. L'objectif, c'est acquérir des compétences. Ouais. Ok. Je vais vous la remettre parce que elles sont vraiment intéressantes, ces vidéos. Et vous voyez, on note bien qu'il n'y a pas de mouvement parasite, qu'il n'y a pas de mouvement saccadé, c'est pas forcé. Elle utilise vraiment la gravité, hein. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'amplitude. Je l'amène vers l'avant, je la laisse monter derrière, je la laisse revenir. Et pour revenir à la réflexion de Jacotte, là, on voit vraiment la boule qui tombe de la main. La boule, elle tombe de la main, là. Ouais. Voilà, là, la boule, elle tombe. Mais les doigts, eux, vu que le bras continue vers l'avant, ben c'est comme ça, on va le voir avec le lâcher, c'est comme ça qu'on met des rotations. Donc le dernier pas. Donc là, il y a un Et peu plus d'énergie déjà. ouais. Il y a plus d'amplitude, il y a plus de vitesse de boule, il y a un peu plus de rotation.
Boule en vache, démarre. Et là, c'est pratiquement une boule normale, hein. Ouais. Et si elle rajoute des pas, parce que c'est une joueuse qui joue en 5 pas, elle va encore augmenter son nombre de rotations et sa vitesse de boule aussi. Ok. Donc, bon, ça, c'est un autre exercice qu'on aura l'occasion de voir également. Je vais vous montrer aussi une autre vidéo. Alors, je vais passer le début. Top, 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 top. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver hein, sur Internet, notamment les vidéos du Kegel Training Center. Donc là, il vous montre comment on se positionne. Hop, voilà. Donc, boule près de la cheville, alignement boule tête. Voilà. Et donc là, on voit bien, il n'y a pas d'amplitude. Je fais juste rouler la boule sur la piste. Ouais, le corps, il bouge pas du tout, hein. Un Et joueur même de le main. joueur à deux mains, lui, il est vraiment sur une jambe, hein. Et il bouge pas, hein. On va avoir une joueuse. Ben voilà. On s'est filmé un peu loin, mais voilà, pas de. Ce qui est intéressant dans le principe, c'est vraiment la sensation de relâchement. On laisse faire la boule. On n'arrache pas la boule, on n'essaye pas de mettre de rotation, on laisse la main derrière. Vous voyez, on voit, il n'y a pas de geste parasite. Et ça, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Alors, ce qui est hyper important dans cet exercice, c'est de bien vous mettre dans la tête que ce que vous êtes en train de travailler, c'est ce qui se passe au niveau de la ligne de faute. Ne vous occupez pas de ce que va faire la boule sur la piste. Voilà. Vos sensations, elles sont uniquement orientées sur ce qui se passe pendant que vous balancez la boule et pendant que vous la lâchez. Et après, qu'elle aille dans la gouttière de droite, la gouttière de gauche ou qu'elle touche les quilles, ça rentre pas en ligne de compte. On s'occupe pas de ce que fait la boule sur la piste dans cet exercice. Et je voulais aussi rajouter, on aura l'occasion d'en reparler, travailler les yeux bandés aussi. Travailler les yeux bandés, ça va tout de suite favoriser la sensation. Et vous allez sentir si le corps il bouge. Vous pouvez même travailler les yeux bandés en mettant de plots. Ben, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de la vue pour envoyer la boule entre les deux plots. C'est juste une question d'orientation, en fait. Voilà. Il y a une petite remarque d'Eric, mais vous êtes d'accord sur le fait de dire que l'énergie est à 80% donnée par le bas du corps. 80%, 85%, 75%. La majorité de l'énergie, en fait, il y a deux sortes d'énergie. Il y a la vitesse de la boule et la rotation. C'est ce qui fait qu'après, on va parler du compromis vitesse-rotation. C'est-à-dire que le joueur va avoir une certaine vitesse qui va être donnée par son jeu et un certain nombre de rotations qui va être donné par son lâcher. Donc, on a vu, hein, pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, que ce compromis-là, ben, fallait qu'il soit équilibré et que la vitesse de la boule, elle est liée à deux paramètres. Ça va être le rythme de l'approche. Si vous avez un rythme rapide, il y a des grandes chances que votre vitesse de boule soit rapide. Et inversement, et à l'amplitude du balancier. Car un petit balancier ou un grand balancier, ça va pas donner la même vitesse. Donc à la fois, elle est donnée par le bas du corps, là je te rejoins, notamment sur le rythme, une vitesse d'approche rapide va donner une grande vitesse de boule. Mais la problématique, c'est qu'il faut toujours checker le timing. Parce que si tu augmentes le rythme, il faut pas que ça ait une incidence sur la direction de ta trajectoire. Alors, la vitesse de Mais l'approche, bon. oui, mais l'amplitude du balancier et notamment avec la posture, l'inclinaison du haut du corps, va aussi amener de l'énergie. C'est-à-dire que si tu restes droit, si tu marches et puis que ton approche est comme ça, ben, ton amplitude elle va être très faible et tu risques d'avoir
très peu de vitesse de boule. C'est la problématique souvent des. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais parce qu'il y a une problématique physique, mais des anciens, des joueurs qui sont vétérans, où il y a une perte de vitesse de boule qui est due parce que on a moins d'amplitude, parce que le bas du corps, effectivement, l'approche, elle va moins vite. Ben là, tout d'un coup, on a une ré réduction de l'énergie, en fait. Mais je suis d'accord avec Eric, c'est le bas du corps qui permet de transférer l'énergie, quoi, hein. J'accote là où va l'intention, va l'énergie. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais je sais pas si je vais pas l'interpréter, mais on le verra au niveau de la confiance. C'est-à-dire que si tu as envie que ta boule elle aille plus vite, bah c'est déjà mentalement, si tu veux, de se projeter mentalement et d'essayer de comprendre comment je vais faire pour que ça aille plus vite. Et après, l'idée, c'est que si je vais plus vite, ben la boule risque effectivement d'aller plus vite. C'est ton cas, Eric, vétéran. C'est pas de moi que tu parles, Christophe. Moi, je joue plus. J'ai tellement peur que ma boule, elle touche plus les quilles. OK. L'approche complète, donc ça va répondre à la question d'Eric. 4 pas, 5 pas, en tout cas la majorité des joueurs utilisent effectivement le 5 pas, mais il est toujours bien aussi à l'entraînement de faire 4 pas, de faire 5 pas, de savoir faire les deux. Et pour le faire en formation avec EGG, on apprend les deux, et notamment sur le premier niveau de formation, on apprend aux joueurs à faire 4 pas et à faire 5 pas. Et en fait, c'est pas compliqué, hein. Ça paraît compliqué pour certains et qui ont peur justement de dire non, non, mais moi je modifie pas mon approche parce que après je vais plus savoir jouer. Ou bien le contraire. Plus vous allez modifier, plus vous allez expérimenter. Si vous allez faire 4 pas, si vous faites 5 pas, bah en fait vous allez augmenter vos compétences et c'est pas compliqué de faire une approche à 4 pas et de faire une approche à 5 pas. Ce qui va être compliqué après, c'est toujours la problématique de transfert. C'est en compétition. Je sais faire des choses dans l'entraînement parce qu'il n'y a pas de prise de risque. Si on fait rigole, c'est pas très grave. Mais la problématique de la compétition, c'est que tout d'un coup j'ai peur parce que là ça compte. Et là je joue plus pareil. Donc, il y a la notion du stress et de l'enjeu. Donc, l'idée, là, on vient de l'expliquer, notamment sur l'énergie avec la vitesse des pas, la hauteur du balancier. Toujours être à la recherche de la fluidité. La fluidité va donner de l'énergie et de la régularité. Donc, rechercher une bonne combinaison, ce qu'on appelle une bonne combinaison, c'est une bonne coordination. Et avoir une approche propre au joueur. On l'a dit, on le répète, pas de copier-coller, juste des principes. C'est pareil pour le matériel, hein. S'il y a une boule qui fonctionne bien chez un joueur parce qu'il gagne avec ça, c'est pas nécessairement la boule qui va vous convenir. Voilà. Donc il faut tester, expérimenter. Il est sûr que l'approche à 5 pas peut faciliter le départ du balancier. Voilà, parce je crois qu'on le voit sur la diapo d'après. Là, on est sur les pas. On va le voir ici. Alors, pourquoi 5 pas? Parce qu'en fait, au niveau du timing, l'idée, c'est qu'il faut démarrer le balancier en même temps que le premier pas pour être dans une bonne coordination. Et À quatre pas. quelquefois, à 4 pas, ouais. Et quelquefois, on a tendance d'abord à démarrer le premier pas et à démarrer la boule après, ce qui nous met dans un timing qui est en retard. Donc, pour corriger ça, un des moyens, c'est de faire 5 pas. Donc, de démarrer du pied opposé. Mais vu que le bas du corps, il est parti, ça facilite, en fait, un bon timing, ça facilite un meilleur départ du balancier qui se fait au deuxième pas. Donc, au niveau de la longueur Alors de on dit ça l'approche, aussi,
Ouais, on Ça dissocie. dissocie les deux mouvements. Au lieu de les faire en même temps, ils sont séparés, quoi. Ouais. Donc, au niveau de la longueur de l'approche, bah, que ce soit 4 pas ou 5 pas, la base, hein, la base, c'est de faire 4 pas et demi en partant de la ligne de faute et 5 pas et demi en partant de la ligne de faute, qui va déterminer une moyenne, quelque chose qui va être assez confortable, hein. Pourquoi 4 pas et demi, pourquoi 5 pas et demi? Parce qu'en fait, le dernier pas est légèrement glissé, donc ce qui rajoute une distance. Et puis, il y a la problématique des pas. Alors, il y a la problématique du timing. C'est si on n'est pas dans le bon timing, ça amène des gestes parasites, notamment sur le balancier et sa direction et son efficacité. Et au niveau des pas, il faut pas que ça empêche le bon fonctionnement du balancier, notamment de sa direction. Et donc là, on le voit sur le schéma. Donc là, on est sur une approche à 4 pas pour un droitier. Pour vous décrire ce schéma, ce que vous voyez en vert, en fait, c'est la trajectoire de la boule dans le balancier. Donc la boule au départ, elle part vers l'avant, elle va monter vers l'arrière et ensuite elle va redescendre. Donc si les pas se mettent devant le balancier, en quelque sorte, ils vont gêner le chemin du balancier. Et là, le balancier va être obligé de contourner. Donc, c'est quelquefois, on voit ça sur des balanciers qui passent exagérément dans le dos ou qui vont à l'extérieur. Donc là, pour envoyer la boule sur le balancier, c'est compliqué. Donc, on favorise. Donc là, vous voyez sur le schéma, vous avez G qui veut dire gauche, D qui veut dire droit. Donc, vous avez votre position de départ, la position de la boule qui est plutôt pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du corps, on va le voir sur les postures. Et lorsque vous Et envoyez la c'est boule l'inverse, hein. sur un 4 pas, Ouais. donc le premier pas, en Non, mais fait, c'est le pied droit. C'est le pied droit qui va. non, 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 Non? non, non, là, sur une approche à 4 pas, là, donc le premier pas, c'est le pied Ben gauche ouais. qui part. Ah Ah non, oui, c'est tu un veux dire droitier, donc c'est. que c'est gauche et droit. Oui, T'as c'est inversé inversé. G et D. Oui, c'est inversé. Oui, excusez-moi. C'est inversé. Je sais pas si l'autre s'est inversé d'ailleurs. Pourtant, on a. Ben, je Ah, l'ai pas vu tout, hein. bah ouais, mais moi non plus. Ben là, c'est pareil. C'est Ouais. pareil. Donc Ben non, mais on là. est tellement habitué à la voir, à le voir ce graphique qu'on n'a pas fait attention. Ouais, je Oui, sais il y a pas. G et D qui sont inversés. Ouais, c'est G et D qui sont inversés. Mais le premier pas, l'idée, le premier pas en rouge, en fait, s'il vient devant, au niveau de la boule, en fait, il va gêner le cheminement du balancier. Donc, on privilégie, en fait, de mettre ce premier pas devant l'autre, voire légèrement ouvert, ça facilite et puis ça permet de créer une bonne posture. Voilà, après, donc faut inverser le G et D, Ouais. ensuite Bah, les pas en rouge, c'est le pied droit, et les pas en noir, c'est le pied gauche. voilà, c'est ça, ouais. Et donc après il y a le déhanchement. Il y en a qui suivent, Yvon a suivi et il a remarqué que c'était inversé. Parfait. C'est bien. Et donc en 5 pas, la différence c'est que effectivement on démarre du pied opposé. Et on retrouve notre approche à 4 pas où le premier pas, donc là c'est G, mais normalement c'est D, va venir devant l'autre. Une petite vidéo. C'est un joueur de Singapour, tu me posais la question. Et en fait, si tu veux, il y a un chevauchement des pas, hein. On marche pas comme dans la rue. Ouais, vous voyez le premier pas, donc il joue en 5 pas, et le premier pas, hop, il vient devant l'autre pour que la boule puisse faire son cheminement. Je vais en remettre. Parce que là, il faut ouvrir un espace pour le balancier. Voilà, là, le fait de passer le pied droit devant le pied gauche. Ça ouvre l'espace à la boule, et donc le balancier, il peut être fait dans la bonne direction. Sinon, il est obligé de contourner la jambe.
Et c'est un défaut majeur, ça, hein, chez... et qui n'est pas difficile à corriger. Non, tout à fait. Alors. OK. Donc voilà pour les pas. Donc l'idée c'est de que les pas ils soient qui favorisent la direction du balancier. Et après la problématique c'est le timing. Et donc il y a une question par rapport à ça de Stéphane. Salut Stéphane. Est-ce que le timing est différent quand on fait ou non le push away? Bah, c'est-à-dire que Alors, si, le timing est différent, mais tu es quand même si c'est obligé un de. grand push away, si c'est un Oui. grand push away comme dans le temps où on tendait le bras complètement, effectivement, ça va retarder la boule par rapport au pas. Ouais. Mais un grand push Aujourd'hui, la away. boule, elle descend dans le balancier plus vite, hein, plus tôt. Un grand push away, c'est compliqué à gérer. Notamment un grand push away, ça n'a pas d'incidence, il faut juste quand même vérifier que les épaules ne basculent pas vers l'avant comme ça. Et pas de push away, moi j'aime pas non plus pas de push away, il en faut un minimum parce qu'il faut Ah ouais, mettre parce... la boule dans le balancier parce que sinon il y a une utilisation musculaire qui va se faire automatiquement. Ouais. Donc un grand push away, ça peut amener les épaules qui vont basculer vers l'avant, alors qu'il faut que Et le le poignet corps le poignet qui casse. et le poignet va casser, ouais. Et un pas de push away, bah, c'est compliqué parce que ça va amener peut-être une utilisation musculaire. J'ai une autre question de José Ignès, mais sur ma page là, qui est intéressante, c'est comment travailler pour réduire son avant-dernier pas? Pour pouvoir réduire l'avant-dernier pas, il faut agrandir le pas d'avant, en Voilà. fait. Si et donc Agrandir le troisième. ouais et donc Agrandir le l'exercice troisième en 5 pas. ouais et l'exercice qu'il faut faire pour réduire l'avant-dernier pas et donc ça amène plus d'énergie, c'est l'exercice des 3 derniers pas. Ou des 3 premiers. Ou des 3 premiers, ouais. Ça engendre un timing en retard sans le push away. Si tu as un push away qui est trop grand, ça entraîne un timing qui est en retard. Ouais. Un timing sans Et le pas push de push away, away. ça entraîne un timing en avance, en fait. Généralement. Et ils vont normalement, la main doit être au-dessus du pied au premier pas. Généralement, on est dans cette zone-là. Ouais, en 4 pas. En 4 pas ou en 5 pas d'ailleurs. C'est-à-dire que En 5 pas, le non, mais la boule, ce qui veut dire, c'est que La boule, elle n'a pas bougé. ouais, non, mais ouais, en 5 pas, c'est au deuxième pas. C'est lorsque la boule, elle bouge. Voilà. On n'est pas loin devant du premier pas, on est pratiquement effectivement Mais au même effectivement, niveau. après, il vaut mieux parler en pied du côté de la boule. Effectivement, la boule, elle doit rester au-dessus du pied. Si vous êtes droitier, au-dessus du pied droit. Si vous êtes gaucher, au-dessus du pied gauche. J'ai une autre question de Pascal. Pascal Moineau, salut Pascal. Et 6 pas pour ralentir l'approche, c'est mieux. En fait, théoriquement, plus tu fais un nombre de pas important, plus la vitesse de boule va augmenter. C'est le contraire, oui. Ouais. Bah, d'ailleurs, on le voit sur les exercices. Les exercices, dès que tu fais un pas, on l'a vu sur la vidéo, un pas, tu as vu, il y a très peu de vitesse de boule. Dès qu'elle est passée, Verity, à faire ses 3 pas, déjà la vitesse de boule, elle a augmenté. Et dès qu'elle fait son jeu normal en 5 pas, la vitesse de boule, elle augmente encore. Donc théoriquement, plus tu augmentes le nombre de pas, plus la vitesse de boule augmente. Et notamment, on le voit chez les hommes lorsqu'il faut jouer très très haut, qui jouent devant le remont de boule.
Ben, la vitesse de boule, elle est réduite parce que soit ils font 3 pas ou soit ils font 5 pas, mais avec des espacements de pas qui sont assez courts. Alors, il faut faire attention de pas aller trop loin dans le nombre de pas, parce que plus vous rajoutez des pas et plus vous rajoutez des problèmes en quelque sorte au niveau de la régularité. Donc chez les pros, ok, il y en a qui font 6 pas, il y en a qui font 7 pas, mais gardez à l'esprit que ce sont des pros, d'accord? Une question de Philippe. Salut Philippe. Donc, modifier le push-away permet de réguler le timing, le départ du push-away, ouais. Ouais. Et aussi En fait, la fin. c'est le moment où la boule elle est mise dans le balancier. C'est à quel moment est-ce que la boule commence à descendre, hein, et à être dans le balancier? Parce que le push away, très souvent, c'est un peu pervers aussi, parce que les gens avancent la boule, mais elle descend pas. Et pendant ce temps-là, les pieds, ils avancent. Ouais, Ouais. C'est pas si facile que ça, le timing, mais c'est souvent il y a aussi des joueurs qui vont vite justement pour que la boule elle descende vite, sauf que là tu rajoutes des gestes parasites. Salut Pat. Pour le dernier pas, la glisse doit être de quel ordre? Court ou long? Moi, je privilégie court. Parce Ouais, on qu'en fait plus fait. 1,50 m de glisse, comme dans le temps avec mon ami Maurice Lesourd, on avait 1,50 m de glisse, hein. Et puis, la C'était problématique d'une longue glisse, c'est que après, tu deviens tributaire des approches. Ouais. Si tu as les approches qui glissent, les approches qui bloquent, si tu as l'habitude d'être dans un bon timing et tout d'un coup tu tombes sur les approches qui bloquent et que tu as une grande glisse, bah, là, à mon avis, ton axe de rotation il va augmenter parce que la main va passer autour comme ça. Parce que comme tu vas bloquer, l'épaule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer vers l'avant et tu vas augmenter ton axe de rotation. Et donc, Et puis là, vous êtes vraiment tributaire de l'approche, hein. c'est clair. Hein. Donc, moi, mes joueurs, je leur apprends à jouer avec les semelles qui glissent le moins. Ouais. Et donc la question, là, dernier pas posé et non glissé, est-ce que c'est un handicap? Moi, pour moi, un dernier pas posé, ça me convient bien. Attaquer du talon, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui depuis une année pratiquement. Parce que j'en avais marre de tous ces problèmes d'approche. Même sur la même piste, vous avez plusieurs zones de glisse différentes. Dans le milieu, ça glisse plus parce qu'ils avaient mis du produit au départ pour que ça glisse. Quand vous jouez la 10, c'est resté une patinoire. Donc vous n'avez pas changé de semelle entre le moment où vous jouez le strike et le moment où vous jouez la 10. Donc j'ai changé, maintenant j'attaque du talon et j'ai plus de problème de. Donc ça change le timing, bien entendu, hein. Ouais, c'est clair. Ça demande un peu de travail. Mais ça, c'est pareil. C'est des choses qu'il faut expérimenter à l'entraînement. Puis vous allez voir ce que ça va donner. Quand GG dit, ben, je l'ai fait s'entraîner avec des semelles qui glissent pas beaucoup, ben, il a raison parce qu'un jour, ils vont peut-être tomber sur des approches qui bloquent. C'est comme il faut jouer avec Oui. des semelles qui glissent beaucoup parce qu'un jour, vous allez peut-être tomber sur des approches qui glissent. Et ça, si vous n'êtes pas habitué à réguler, ça modifie effectivement le timing. Et après, ben vous pouvez toujours vous plaindre auprès du mécanicien ou du bowling que les approches, ça ne va pas. Mais il faut quand même faire du score et c'est pareil pour tout le monde. Donc, Voilà. c'est une question d'adaptation. Donc, Sylvain qui pose cette question, y a-t-il une importance pour le nombre de pas? Non, 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 c'est juste une question de confort. Il faut que vous soyez capable de jouer en faisant qu'un seul pas, en faisant les 3 derniers pas, en faisant 4 pas, en faisant 5 pas. Et sur les formations, quand on fait les formations, les joueurs, ils ont l'habitude de faire 5 pas ou de faire 4 pas, on les fait changer. Donc au début, c'est un peu la panique parce que, donc déjà, d'une part, c'est de dire à quoi ça sert. Et puis après, de l'expérimenter. Et donc, ça sort des habitudes. Et ça fait du bien de sortir des habitudes. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent que
Ah oui, mais en fait, c'est vachement plus facile en 5 pas. Ben, je vais me faire. Je me sens mieux. Et souvent, ça nous est arrivé. Je vais continuer à m'entraîner sur 5 pas parce que, en fait, je me sens plus confortable. Mais il y en a, ils préfèrent le 4 pas parce qu'ils préfèrent partir du côté du pied droit pour les droitiers, notamment. Et il y en a d'autres, le fait de partir de l'autre Alors, il y a quand pied, même. ils se sentent plus confortables. Il y a, dans le principe, je dirais que les gens qui sont très grands, avec 4 pas, ça leur suffit. Et les gens qui sont petits, vaut mieux les mettre ou les femmes qui sont moins puissantes que les hommes, plutôt les mettre en 5 pas pour développer plus d'énergie. Pardon. Henriette qui pose cette question, dernier pas non glissé, risque pour le dos, non. Non, il Sauf, n'y a pas de risque pour le dos si le timing est bon. voilà. Sauf si tu cours et tu t'arrêtes d'un coup, et là, tout d'un coup, la boule, bah, tu Ouais. l'envoies à l'arrache. Là, oui, tu vas te faire mal au dos. Ouais. Mais le fait Et au genou. quand tu arrives et que tu poses le pied, donc ça veut dire qu'au lieu d'arriver comme ça et glisser, tu fais talon-pied. Ben le Ouais. temps, quand tu poses le talon et qu'après le pied se pose, ben ce temps-là là, permet au balancier de revenir, d'avoir le temps de revenir pour pouvoir lâcher la boule correctement. Si tu arrives et que tu plantes le pied, là, par contre, ça peut créer des traumatismes, mais encore. Mais ne pas glisser, c'est faire talon-pied. Talon-pied. Et la distance talon-pied, en tout cas le temps, c'est ce qui permet, c'est comme si tu avais une glisse en fait, un temps de glisse quoi. Ouais, à tel point que j'ai mis 2 semelles en caoutchouc. Donc j'ai une semelle en caoutchouc sur mon pied gauche parce que je suis droitier. Donc j'ai 2 semelles qui ne glissent pas à mes chaussures. Et donc la réflexion, le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne glissent pas, donc ça les dérange pas. Bah, ils ont raison. Ça va certainement les déranger le jour où ça va glisser. Mais c'est justement l'entraînement où il faut tout expérimenter. Il faut mettre des semelles qui glissent. Il faut mettre pardon, l'erreur, ce serait, on va le voir à l'entraînement, de tout le temps rester dans sa zone de confort à l'entraînement. Je joue avec la boule que j'aime bien, je joue avec les semelles que j'aime bien, je joue. Et lorsque j'arrive en La ligne compétition de jeu, et que les approches, elles que j'aime glissent, bien. voilà, dès que les approches, elles glissent ou elles bloquent, et ben en fait, ça correspond plus à mon jeu. Mais parce que je me suis pas préparé à ça. Et à À l'entraînement, m'adapter. il faut jouer avec ses baskets, si le mécanicien vous le permet, par exemple. À jouer avec des semelles qui glissent, à jouer en 3 pas, en jouant un pas, à faire la quissette en jouant avec sa boule de En strike, avec sa boule face. de spare, en face. Sinon, vous vous cloisonnez trop dans votre jeu et la confiance, en fait, elle descend. Lors du pas glissé, est-ce que l'autre jambe exerce une poussée? Oui, on peut, ouais. C'est-à-dire qu'il y a, il y a ce Enfin, qu'on appelle avant. Un transfert d'énergie, en fait. Mais l'expression est bonne, c'est bien la jambe de poussée. Pour un droitier, c'est la jambe droite. Et effectivement, cette jambe, elle propulse en quelque sorte le corps vers la ligne de faute, hein, à condition que l'avant-dernier pas il soit suffisamment court. Ouais, c'est clair. Alors, au niveau des postures, bah, l'objectif des postures, c'est d'optimiser l'énergie, de favoriser aussi la direction du balancier. Ça crée la fluidité, ça minimise les gestes de parasite. Donc, il y a la position de posture sur le départ et sur l'arrivée. Donc, sur l'arrivée, on l'a vu notamment tout à l'heure. Je ne sais plus si on va la revoir, si on la revoit ici. Donc voilà, généralement, on voit l'épaule du côté de la boule qui est plus basse que l'autre, ce qui permet de ramener la boule près de la cheville. Et puis l'orientation du corps en direction de sa trajectoire. Donc vous voyez, il y a différents styles. On ne va pas vous dire qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre.
Mais par contre, une chose qui est quand même essentielle et que tout le monde fait, c'est que l'épaule du côté de la boule, elle est beaucoup plus basse que l'autre. Et donc, ça voudrait Voilà, donc dire. c'est fini. C'est fini le temps où on apprenait dans les années 80-90 à jouer avec les épaules à la même hauteur et parce que ça Ouais. écarte la boule du corps et donc on ne peut pas mettre de puissance. Et donc, voilà la position de départ. Je vais le mettre en grand. Et donc, on a deux positions de départ. Une position de départ à gauche qui est plutôt classique dans ce qu'on enseignait, ce qu'on pouvait enseigner avant, et une position de départ qui est plutôt évoluée. Alors, l'objectif quand même de la position de départ, c'est d'avoir une position qui soit confortable. Si l'idée c'est de pas se faire mal au dos, c'est de pas avoir mal au genou, c'est d'être dans quelque chose qui soit une position relâchée, mais à la fois quand même dynamique. Faut pas être Ouais, qui tout mou. prépare. Voilà, c'est un engagement pour envoyer ma boule sur la trajectoire avec de l'énergie. Donc la position classique, on est plutôt, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la ligne rouge, donc le schéma vu du dessous, le petit bonhomme avec la ligne rouge, on a la trajectoire du balancier qui est à l'extérieur du corps en fait. Et donc l'idée sur la position évoluée, c'est de ramener cette trajectoire du balancier vers l'intérieur du corps. Et un des moyens d'arriver à faire ça, c'est d'incliner légèrement le buste. Bien entendu, l'idée, c'est pas de se faire mal au dos, mais d'amener, je vais essayer de vous montrer, en fait, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est comme ceci, avec la boule à En l'extérieur, face de l'épaule, ouais, en face de voilà, l'épaule, en face de l'épaule, et donc l'autre, ce et serait l'autre plutôt d'être est plus un peu comme ceci, voilà. Plus voilà, avec une ligne. entre le menton et l'épaule. Voilà, ici. Alors que l'autre, avant, on était plutôt classique ici. Donc, Ouais. là. Et on se retrouve avec un. Ça facilite en tout cas la posture de la position d'arrivée où on va avoir une boule qui va être à l'intérieur du corps avec l'épaule du côté de la boule qui est plus inclinée. Pascal Lester, salut Pascal. Est-ce que le fait d'allonger le bras et tirer sur les doigts peut donner plus d'énergie à la boule? En fait, Pascal, il faut que tu fasses l'inverse. Allonger le bras, il y a pas d'intérêt à allonger le bras. Par contre, il y a un intérêt à accompagner la boule en direction de là où tu veux qu'elle aille. Parce que si allonger le bras pour allonger le bras, quand tu dis en pédagogie, si tu dis à un jeune, par exemple, bah, allonge le bras, bah, en fait, il va créer un geste parasite qui va être contre-productif par rapport à l'énergie. Parce qu'allongé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Alors que l'idée, c'est juste d'accompagner. Le bras, on l'a vu sur la vidéo à Verity, quand on fait son balancier, bah, on voit bien le bras, qu'est-ce qu'il fait? Donc le balancier part comme ceci, et quand la boule est lâchée, le balancier continue et il redescend comme ça. Comme un pendule en fait. Voilà. Et donc c'est le bras il continue vers la trajectoire, il l'accompagne. Et pour ce qui est de tirer sur les doigts, comment dire, Aïe, aïe, aïe. si tu veux te faire mal aux doigts et mettre moins d'énergie, bah, effectivement tu peux tirer sur les doigts. Si tu veux mettre plus d'énergie et pas te faire mal aux doigts, bah, en fait il faut que la boule elle tombe de la main. Et lorsque la boule elle tombe de la main, mais que le bras lui continue vers l'avant, automatiquement, tu vas mettre des rotations. Et comme dit Alors, Sergio, effectivement, le bras il est en direction de la ligne de jeu. Mais le haut du corps est en direction de la ligne de jeu. Et le bras va être en direction de la ligne de jeu. Ensuite, la boule, à partir du moment où tu l'amènes en direction de ce que tu vises, la trajectoire. Si tu la laisses faire et s'il n'y a pas de mouvement parasite, c'est pour ça le timing, si et les pas, c'est que s'ils interviennent sur le balancier, ben là c'est le bazar parce que ça va compromettre l'énergie et la direction. Donc c'est en direction de sa trajectoire, je fais rouler la boule sur la piste, qui est là, GG, il peut vous en parler, lui il dit mettre la boule en rotation et il a raison.
Je mets la boule en rotation, je fais rouler la boule sur la piste, mais mon bras, il continue en direction de ce que je veux. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base pour tout le monde, ça. Alors pour revenir sur ce que disait Pascal juste avant, d'allonger le bras, il y a un petit danger, c'est que le joueur il va interpréter, comme disait Eric, et en fait il va emmener la boule plus loin et donc il va pas la mettre en rotation parce que la boule va pas quitter le pouce. Donc les doigts vont pas rester tout seuls dans la boule suffisamment longtemps pour mettre la boule en rotation. Hein, si j'allonge, ben en fait, je vais emmener la boule sur la piste, mais avec le pouce et les doigts. Hein, en fait, on emmène la boule avec la paume et les doigts pour l'empêcher de tomber à la verticale. Et les rotations, elles se font toutes seules. C'est pas, je ne tire pas sur mes doigts. Non. Hein, au contraire, les doigts, la main, je l'ouvre, voilà, pour la boule, elle roule dans ma main. C'est un peu Alors pour nous vieux joueurs, hein, on nous a appris le contraire. Hein, on nous a dit lift to the ceiling. Hein, voilà, il faut envoyer vers le plafond. Ouais, mais c'était comme ça dans le temps. Hein. Donc aujourd'hui, c'est exactement le contraire. c'est un peu comme le C'est on yo-yo envoie tout vers l'avant. ouais c'est Ouais. un peu comme le yo-yo ou le frisbee, c'est-à-dire qu'un yo-yo si vous faites ça, ben, jamais remontera, et en plus ça va partir, ça va emmêler le fil, enfin ça va être le bazar. Dès qu'il arrive en bas, en fait vous avez juste un petit coup comme ça à faire, et là ça va remonter hyper vite. Mais si vous mettez un coup, et pour moi c'est la même chose que tirer sur les doigts, jamais, jamais l'énergie, elle sera pas bien transmise, en fait. Comme le frisbee aussi. Ah bah plus on force au freebie, moins on l'envoie où on veut. Ouais. Et donc, comment s'orienter correctement vers son objectif au départ de l'approche? Bah, tout simplement en orientant principalement le haut du corps en direction de ce que tu de ta trajectoire. Voilà. C'est la Moi, trajectoire qui est essentielle. je parle toujours, je compare toujours avec un tank. Hein, voilà, le tank, vous avez les chenilles, d'accord, et vous avez la tourelle, d'accord. Donc les chenilles, c'est vos pieds, et la tourelle, c'est le haut du corps. Et comme dit Eric, en fait, ce qui est le plus important, c'est que le haut du corps, la tourelle, elle soit orientée vers la ligne de jeu. Et déjà, pour favoriser ça, ben, au départ, c'est déjà d'amener la boule en direction de ce que tu vises. Ouais. Si tu amènes la boule à gauche dans la trajectoire, ben, après, tu es obligé de rajouter des gestes parasites pour que ton balancier revienne dans la trajectoire. Et tu vas peut-être le réussir une fois, mais deux fois, c'est Et en compliqué. plus, faut pas oublier que la boule, ça représente une masse importante, surtout une fois qu'elle est en mouvement. Si vous l'envoyez trop vers la droite, quand vous êtes droitier, vous risquez de marcher vers la droite. Et si vous l'envoyez trop vers la gauche, vous allez avoir tendance à être dévié vers la gauche, parce que c'est la masse de la boule qui va vous emmener. Pour répondre à une question de Bénédicte, on le verra la semaine prochaine sur les contenus Ouais, d'entraînement. il faudra attendre une petite semaine. Voilà. Doit-on fléchir les jambes au fur et à mesure qu'on l'avance? Moi, je suis pas pour fléchir les jambes. Déverrouiller les genoux pour obtenir de la fluidité. En fait, c'est comme marcher dans la rue. Pour marcher, pour avancer, on n'a pas besoin de fléchir les jambes. On a besoin, ça se déverrouille tout naturellement. Par contre, après, c'est l'inclinaison du buste. Le corps, au départ, il va être comme ceci, et au fur et à mesure, le buste, lui, va s'incliner pour que le balancier il puisse avoir de l'amplitude. Mais c'est vrai qu'on l'apprenait dans le temps, on Ouais. fléchissait de plus en plus. En Ouais. fait, là, on a besoin de fléchir, surtout sur les deux derniers pas, quoi, hein. Ouais, c'est vrai qu'on Si c'est descend. en cinq pas, si c'est en cinq pas, on va surtout descendre sur l'avant-dernier. Et à partir de cette position, on la garde pendant la glisse sur le dernier pas, quoi, hein.
Sylvain, j'en roule Mais beaucoup ma si on boule. fléchit de trop, pour répondre à Yvon, le problème, on le voit encore aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on a appris dans le temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup trop fléchis en position de départ, au lieu d'avoir seulement les genoux déverrouillés, et ça induit de la tension. Parce qu'on pense qu'en étant bien fléchi au départ, on va être bien fléchi à l'arrivée. Et on voit très souvent que c'est le contraire, parce que les gens se redressent quand ils commencent le premier pas, mais ça induit de la tension. Donc, il faut simplement déverrouiller les genoux, comme vous disiez, Eric, tout à l'heure. Sylvain, j'enroule beaucoup ma boule pour avoir plus de révolutions. Au bout de plusieurs lignes, je suis épuisé. Ouais, après là, c'est un problème de timing, mais si tu enroules, en fait, tu vas plutôt spinner que de créer des. Tu vas créer du spin, donc de la glisse, plutôt que de créer des révolutions. Créer des révolutions, c'est juste que la boule, elle roule dans la main, en fait. Au niveau du drift, pour répondre rapidement, le drift, c'est pas un défaut. On cherche pas à le corriger, on cherche juste à qu'il soit régulier. Voilà. Et Et pour Anto, qui joue à deux mains, parce que Anto, il joue à deux mains, donc ouais. c'est vrai que le jeu à deux mains, on a un peu plus de drift que dans le jeu à une main. Et plus nous sommes fléchis, mieux c'est. Plus nous sommes fléchis, moins bien c'est. Aussi. Ben, c'est ce que je viens de C'est dire, hein. Si on est et trop ouais. fléchi trop tôt, c'est pas bien, quoi. C'est Essaye pas bon. de. Essaye de. C'est comme si tu demandais en termes d'énergie, de demander à un coureur de 100 en hauteur ou de 100 en longueur, tu dis, il faut que tu fléchisses pour mettre plus d'énergie. Non. En fait, il court, il a son allure, et à la fin, il transfère son énergie, effectivement, mais à la fin. Le bowling, c'est pareil. C'est que il y a le corps qui va descendre, donc le haut du corps qui va s'incliner. Et après, il y a une ouverture d'épaule, mais là, on va en parler parce qu'il y a Sergio. Mais fléchir, ça va avoir un impact qui risque d'être peut-être négatif par rapport à la transmission d'énergie. Oui, puis Sergio, ça ralentit l'approche, hein. Ouais. Ça ralentit l'approche. Hein. Essayez de marcher en fléchissant, vous allez voir, vous allez avoir du mal à enchaîner les pas. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'en ouvrant les épaules au départ, on favorise l'amplitude? Oui. En fait, Ouais, mais on le. favorise pas la direction. Ouais, Faut pas les ouvrir de trop, quoi. c'est la problématique de la rotation. Si tu fais une rotation d'épaule, en fait, ça modifie la direction de ton balancier qui va passer dans le dos. Donc, il y a une légère ouverture de façon à ce que le balancier reste dans l'axe de ta trajectoire. Et notamment, on va le voir un petit peu plus loin, je crois qu'on le voit, c'est que le bras opposé va venir vers l'avant pour favoriser l'ouverture d'épaule et l'amplitude du balancier. Parce que si mes épaules restent fixes, comme on enseignait avant, et que mon bras, il est comme ceci sur le côté, bah là, je vais bloquer mes épaules et mon balancier, lui, il peut pas monter. Donc, pour monter, il y a une inclinaison du corps, ce qu'on appelle le tilt, hein, du haut du corps, et le bras vers l'avant, pour favoriser l'amplitude du balancier. C'est une excellente question. Pour enchaîner, au niveau juste de la position des pieds, ça c'est pour un droitier, oui, la position des pieds, c'est que le pied du côté de la boule, et inversement pour les gauchers, bien entendu. Il peut être légèrement reculé, pas trop. Ça favorise aussi une légère ouverture d'épaule qui va favoriser l'amplitude du balancier. Et l'ouverture des hanches aussi, Et l'ouverture des et hanches. un petit peu l'ouverture des hanches. Alors le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pied droit, là, au lieu qu'il soit parallèle au pied gauche, il est complètement en travers par rapport au pied gauche. Et là, effectivement, ça fait une trop grande ouverture des hanches et donc des épaules. Et pour répondre à Sergio, là, on se retrouve avec des hanches et des épaules qui sont complètement ouvertes à droite, alors que ça correspond pas avec la ligne de jeu. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis au niveau du repère du positionnement, bah, généralement on prend pour se positionner par exemple sur la 20e latte,
Ben, on va prendre l'intérieur du pied, le pied de référence, ça va être le pied du dernier pas. Voilà, parce que Le c'est pied de celui, glisse, ouais. le pied de glisse, parce que c'est celui qui va nous valider si on est bien positionné par rapport à la trajectoire. Voilà. Le départ du balancier, ben, le principe, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là, la boule, elle va pas être loin devant le pied, généralement à la hauteur du pied. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un mouvement qui soit arrondi. En fait, le mouvement arrondi, ça va favoriser la fluidité du mouvement. Si vous faites un Ouais. mouvement, vous envoyez la boule droit comme ceci, le bras tendu, et après vous descendez, là, vous cassez le rythme, vous cassez la fluidité. Donc, on amène la boule légèrement vers l'avant. L'idée, c'est d'amener la boule dans le balancier. Que la boule puisse créer le balancier. Et on le verra aussi sur les contenus d'entraînement avec des exercices, c'est que là où le balancier va plus vite, c'est pas au départ ni au retour. C'est lorsque vous faites un balancier, c'est comme un pendule. Là, le balancier il part comme ceci. Ben là où il va le plus vite, c'est lorsque la boule est en bas et qu'elle commence à le remonter. Mais dès qu'elle arrive en haut, elle va ralentir, elle va s'arrêter, elle va redescendre, elle va re-accélérer lorsqu'elle va être dans sa phase descendante en bas, et après elle va revenir pour ralentir. Et souvent c'est là où les gestes parasites interviennent, c'est qu'on laisse pas faire la boule, c'est-à-dire que là on va accélérer le mouvement. Donc ça va faire ça et ça. Et donc là ça mène bah, des mouvements d'épaule. Qui vont être parasites. Quand vous regardez tous les joueurs pro et même les joueuses, ça paraît facile, quoi. Parce qu'il n'y a pas de mouvement Ouais, forcé, et on a l'impression qu'ils pourraient jouer des heures et des heures. Bon, y a du travail derrière, hein, bien entendu, hein. Mais au départ, en tout cas sur la base, je laisse faire le poids de la boule. Important. alors, ce qu'on peut dire là sur le mini push-away, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est d'avancer le coude environ 15 cm. Et ensuite, vous laissez la boule descendre et le bras, il se tend pendant la descente de la boule. Le bras ne se tend pas devant vous comme on nous a appris dans le temps. Sinon, vous engagez des muscles et là, après, vous retenez la descente de la boule. Et là, le timing, bah, il est dans le vent. Après, j'ai des remarques par rapport aux chaussures. Est-ce qu'on peut jouer avec des baskets ou pas? Je connais pas très bien la réglementation par rapport aux chaussures, mais Alors, la il y en a qui. réglementation, Il y en a qui jouent avec des baskets, hein. surtout les joueurs à deux mains, mais la réglementation, elle demande à ce que les chaussures ne laissent pas de dépôt sur l'approche. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Bah, style chaussures de squash, chaussures de badminton, par exemple. Ouais, ou vous mettez deux semelles qui glissent pas à vos chaussures, hein. Puisqu'on a des velcros maintenant sous les chaussures de bowling, hein. Et on va avancer sur le timing. Et il va nous rester plus que le timing et le lâcher, je crois. Donc le timing, hein, on l'a vu, c'est la coordination entre le balancier et les pas. Donc avec toute la difficulté, c'est comment je crée cette coordination et cette coordination. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un mouvement qui soit le plus fluide possible pour favoriser le relâchement, la fluidité et donc l'énergie. Les problèmes de répétition et de précision sont souvent la cause d'un mauvais timing. Donc là, bah, il faut réguler. Et souvent, ces problèmes de timing, ils sont régulés. Alors toujours checker le perçage, bien entendu, mais c'est souvent régulé sur le départ du balancier. Les différents types de timing qu'on peut trouver, je vais le mettre en grand. Donc, il y a trois types de timing. Il n'y en a pas un plus mauvais que l'autre. Ça va donner par contre des différences sur des trajectoires.
Donc, le timing en avant, c'est lorsque le pied est arrêté à la ligne de faute ou on lâche la boule. Il y en a un qui jouait comme ça, c'est Mika Kuvenemi, où il lâche la boule devant le pied. Donc, il a un timing en avance. Un timing retardé, comme vous voyez au milieu, où là, mon pied est arrêté. Donc là, c'est Domi, comment je fais là? Il est passé Diandra. sur. Hein? Asbati sur le milieu, donc un timing retardé. Donc là, on voit vraiment la boule qui est très en retard lorsque le pied est arrêté. Et puis on a un timing neutre où la boule, elle est juste derrière la Bah, cheville. j'ai peur qu'en appuyant sur le. Alors, Comment je fais pour il n'y a pas sortir de de bon ou ça? mauvais timing, mais sur la différence fondamentale que vous allez avoir, par exemple, sur un timing en avance et un timing retardé, c'est que le timing retardé, vous allez certainement Merci. occasionner plus de rotation et peut-être avoir la possibilité d'augmenter l'axe de rotation. Un timing en avance, ça va être compliqué d'augmenter son axe de rotation. Généralement, c'est des trajectoires qui sont beaucoup plus droites, avec un axe de rotation qui est entre 0 et 30 degrés. Après, le timing neutre, il est quand même pas mal dans l'idée parce que on peut, enfin, il y a une plus grande variable de possibilités de positionnement d'axe de rotation. Voilà. Et Mais donc, bon, chez les bons joueurs, on retrouve les trois, hein. Bon, ceux qui gagnent, c'est pas toujours les crankeurs, ceux qui mettent le plus de rotation, mais les deux autres timings sont Chris Barnes, par exemple, a un timing en avance, hein, il lâche dans la glisse, bon. ouais. Kuvenemi aussi. Kuvenemi, c'est assez impressionnant. Donc, bon, après, il y a différents points de contrôle, mais au niveau du timing, donc là, c'est Dominique Barrette, je crois. Je ne sais pas si on voit bien, mais je vérifie quelque chose. Le point de contrôle, il y a une erreur sur le point de contrôle numéro 1. Le point de contrôle numéro 1, je suis désolé, il Ouais, est juste avant. c'est la photo d'avant. Ouais, c'est la photo d'avant. Ça a dû décaler, je sais pas. Donc le point de contrôle au niveau du timing, c'est au niveau de la troisième photo, lorsque la boule est à la verticale. Le troisième pas, le troisième pas est enclenché. Et en fait, le troisième pas croise l'autre. Et à ce moment-là, la boule, il faut qu'elle se situe dans cette zone-là. Et généralement, il y a beaucoup de joueurs qui sont en retard où la boule se situe encore devant. La boule n'est pas encore descendue. Ensuite, le deuxième point de contrôle, donc là, il est bon, c'est lorsque la boule, donc là, on retrouve l'exercice du dernier pas. Lorsque la boule est en haut, que les deux genoux se croisent, là, à ce moment-là, le dernier pas est en train de se faire, et là, la boule va redescendre, ce qui fait que je vais arriver à la ligne de faute. J'ai le temps, ça me laisse le temps à la jambe de se déhancher. Et lorsque je suis arrivé en position fixe à la ligne de faute, la boule, elle est derrière la cheville, ce qui me laisse le temps de l'envoyer où je veux et comme je veux. En fait, voilà. Donc, même s'il n'y a pas de timing parfait, mais au niveau des points de contrôle, voilà où on en est. Et souvent, bah, en fait, le premier point de contrôle qui correspond bien à la troisième photo, hein, pas à la quatrième, bah, là, on est déjà en retard. Donc, si on est en retard, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je tire la boule dans le dos et je ramène la boule. Et au niveau du lâcher, la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va faire tourner mes épaules, ça va faire tourner ma main et ça va augmenter mon axe de rotation et je vais avoir des boules qui vont assez souvent, par exemple, glisser très très loin. Donc, ça a un impact sur l'énergie. Je vais revenir, il y avait une question d'Henriette, là, laisser tomber la boule sur les doigts, laisser dérouler dans la main et poignet, est-ce compatible? On reviendra sur cette question si tu veux bien la reposer, si jamais on la zappe, là. On y reviendra sur le lâcher. Qui arrive? Et qui arrive. Pour venir sur le bras gauche,
L'idée, c'est que si vous bloquez vos épaules, comme on faisait un petit peu avant, il fallait avoir les épaules droites, il fallait avoir le bras à l'horizontale, et donc pas de mouvement d'épaule. Donc, on avait des balanciers qui étaient plutôt forcés, et puis on pouvait avoir des blessures même au niveau de l'épaule. Ouais. L'idée, mais on le verra hein, sur les contenus de l'entraînement, parce qu'il y a des exercices qui vont nous permettre de travailler sur l'ouverture, comme un peu comme au golf, ouverture, fermeture des épaules, sans modifier la direction de la trajectoire. Parce que, comme faisait la remarque de Sergio là, c'est que si ma rotation elle est comme ceci, ben vous voyez bien mon balancier là, hop, il va bouger dans tous les sens. Le balancier, lui, faut il faut qu'il reste dans l'axe de la trajectoire. Donc, je vais devoir incliner et ouvrir légèrement. Donc, le bras gauche, lui, va venir vers l'avant. Ça va faciliter l'ouverture des épaules. Et le bras gauche, faut aussi qu'il soit dans le relâchement. Donc, au départ, quand je vais amener la boule vers l'avant et que la boule va descendre, là, le bras gauche va se positionner vers l'avant. Pas exagérément complètement vers l'avant, mais il va se positionner vers l'avant, ce qui va faciliter cette ouverture d'épaule, cette ouverture légère, et qui va suffire pour que la boule puisse monter dans le dos sans une incidence sur la trajectoire et sans une incidence sur le relâchement. Parce que c'est ça qui est essentiel. C'est que la boule puisse faire son trajet sans modifier sa trajectoire et son relâchement. OK. Allez. Donc, le dernier chapitre, le lâcher. Il y a une question d'Eric. On me dit souvent que j'ai l'épaule qui tombe. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. À quel moment on dit ça? Pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est au Ouais, départ? souvent. Est-ce que c'est au retour? Est-ce que c'est à Non, mais l'arrivée? c'est souvent quand comme les joueurs tirent la boule derrière pour la faire monter, donc ils tirent avec l'épaule, donc ils lèvent l'épaule, et quand la boule va revenir, bah, l'épaule redescend. Oui, ça Alors, peut être ça, oui, effectivement, oui. on tire pas la boule avec l'épaule, quoi. Sandrine, j'ai souvent du mal à être en équilibre, à rester stable à la ligne de faute. Ben là, il faut vérifier Le le timing. perçage et il faut vérifier le timing. Quelquefois, un déséquilibre, c'est que je ramène la boule, quand la boule est derrière, je la ramène, qui est souvent liée, par exemple, à un timing qui est en retard. Mon bras est en retard et donc à la fin, je l'accélère et ce qui peut provoquer un déséquilibre. Et donc, Eric me précise, c'est à la fin que l'épaule tombe. Ben là, Ouais, c'est ça. faut. Ouais. C'est ça fait ça à la fin, comme ça peut-être. Alors, tu peux demander, Eric, à un de tes partenaires, c'est de se tenir à côté de toi sur l'approche et de mettre une main sur ton épaule et de t'accompagner pendant ton approche pour que tu sentes, hein, et lui, il peut appuyer très légèrement sur l'épaule si elle a tendance à monter. Et tu vas te rendre compte à un moment que ton épaule est monte. D'accord? Rien que par le fait que quelqu'un ait la main posée sur ton épaule, tu vas en prendre conscience. Ouais, alors si c'est effectivement à la fin, ouais, ça peut être aussi un timing en retard. Tu sais, je suis en retard et pareil, je tire et je ramène. Ça peut provoquer une épaule qui tombe. Et Parce une que remarque. l'épaule, c'est lié aussi à la tête, parce que très certainement, la tête de Eric, pendant son approche, doit fluctuer comme ça, si tu veux. Tu vois? La tête, la hauteur de la tête, elle doit pas bouger, quoi. Ouais. Elle reste fixe. Ouais. Elle peut descendre Ouais, légèrement, ouais. comme la forme d'un avion qui atterrit, par exemple. C'est pas quelque chose qui est brusque. Voilà. Hein, mais il n'y a pas de mouvement parasite, effectivement. Mais après, si tu veux, Eric, on t'invite, si tu veux, à nous envoyer une vidéo. On peut regarder. Ouais.
Bien sûr. Bénédicte, tu as une question. Le lâcher sera conditionné par l'approche. Eh bien, on y arrive. On va répondre à ta question. C'est que effectivement, le lâcher, en fait, c'est une composante. C'est une composante d'une balancier avec le timing. Donc, s'il y a des choses à modifier dans le lâcher, il faut checker le balancier et il faut checker le timing. Parce qu'il faut bien comprendre. Là, ici, voilà la diapo. Là, voilà. Et il faut bien comprendre que si par exemple vous avez un timing qui est en retard et que vous ramenez, quand la boule est derrière, que vous ramenez le bras, vous voyez mon épaule là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe devant, je ramène mon bras avec l'épaule, et la main à l'arrivée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Elle va tourner autour de la boule. Donc, vous dites, ouais, ben, j'ai un problème de lâcher, ma boule elle glisse de trop, j'ai un axe de rotation qui est trop élevé, donc il faut que je travaille mon lâcher. Non, il faut que tu travailles le timing. Et le timing va réguler ton lâcher. Le lâcher, c'est une composante du balancier et du timing. Et puis, souvent, c'est aussi dû, ça doit être marqué sur une phrase, notamment les joueurs et les jeunes joueurs, ils veulent que la boule, elle tourne. Parce que on veut faire du strike et c'est bien normal. Et souvent, en fait, on est tellement impatient dans la mise en œuvre de l'énergie, c'est qu'on n'attend pas que la boule redescende. Et comme je vous disais tout à l'heure, on le verra encore une fois, je me répète, mais c'est important sur les contenus d'entraînement. Le balancier, lui, son rythme, il va être différent. C'est-à-dire qu'au départ, il va aller doucement parce que je vais mettre la boule dans le balancier. Là, il va accélérer, il va monter. Et au retour, il fait pas ça, ça. C'est-à-dire que la boule, elle s'arrête, elle marque un temps d'arrêt et elle redescend. Et bah, quand on attend la boule et que la boule, on la laisse redescendre, bah là, ça change tout au niveau du lâcher. C'est que là, vous allez sentir la boule dans la paume de la main, vous allez être dans le relâchement, vous avez moins de gestes parasites, l'énergie sur la piste, elle est optimisée. Enfin, et comme quelquefois, on veut tellement mettre de l'énergie, ou alors on veut tellement s'appliquer à mettre la boule là où on veut, sur son repère, qu'en fait on se crispe, Ouais, on crée et de on l'attention. force, on crée de la tension. Voilà, tout à fait, cherchez le mot, on crée de la tension, et ça c'est des mouvements parasites, et qu'on a une incidence directe sur le lâcher. Et... Donc après, les différentes trajectoires, bon, les trajectoires de base, ici, elles sont, je vais le mettre en grand, une trajectoire droite où là, le pouce, il est positionné à midi et les doigts À 6 heures. à 6 heures. Et là, on a une trajectoire, ce qu'on appelle un lâcher à zéro, en fait, hein, ou trajectoire à droite. Dès qu'on veut commencer à avoir une trajectoire un peu plus en courbe, en fait, on modifie la position des doigts lorsqu'on lâche la boule. Et donc, ça modifie la trajectoire. On le verra également sur les contenus d'entraînement, sur les différents axes de rotation et la position des doigts au niveau du lâcher. Et donc, ce qu'il faut apprendre, je vais vérifier. Il y a du travail, en fait. Oui, il y a du boulot, ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est pour ça que les contenus d'entraînement, ils sont essentiels. Qu'il faut faire de la qualité plutôt que de lancer de la boule et de faire de la. Parce que lorsque vous lancez la boule et que vous faites de la quantité, bah, en fait, Ah, vous mémorisez vos défauts, hein. vous valorisez vos défauts. Voilà, c'est ça. Et vous travaillez pas les compétences. Merci messieurs, ça prouve bien qu'en France, on a aussi des vrais techniciens avec une approche simple. Ben, merci, c'est gentil. Si c'est le cas et si la compréhension, mais la compréhension sera meilleure avec les contenus de l'entraînement. Alors, à la base du lâcher, et c'est pour ça que c'est important de checker le perçage, c'est qu'il faut que la boule quitte le pouce. Si vous voulez mettre des rotations, si vous voulez mettre de l'énergie, il faut que la boule elle sorte du pouce. Et si vous pincez,
Je vais me mettre en image là. Si vous pincez, à quel moment le pouce va sortir? Comment vous pouvez contrôler sur une boule qui redescend du balancier que là, à ce moment-là, ah ben là, il faut que je sorte le pouce, donc il faut que moi je Je dis libère. que libère, moi je dis dépince, mais voilà. Donc je suis agrippé à ma boule. Et à quel contrôle vous avez au moment où la boule revient? Est-ce que c'est derrière la cheville? Est-ce que c'est devant la cheville? Est-ce que c'est au niveau de la cheville? Vous pouvez pas être précis régulier. Et en plus de ça, l'exorotation va être irrégulier. Donc, la forme de la trajectoire, le comportement de la boule sur la piste, pardon, va être irrégulière. Donc, déjà, on check le perçage. Et la première chose qu'il faut apprendre, c'est que la boule, elle tombe de la main. Et donc, ça, vous pouvez le faire, notamment avec l'exercice à la ligne de faute et du dernier pas. Donc, il faut que la Ou même chez boule, vous, même chez vous, sur le divan, hein. tout à fait. Donc, la boule, elle tombe de la main. Et vu que le bras, lui, continue vers l'avant, ben, c'est là où on va mettre des rotations. Et Ça va se faire tout seul. on va le voir des vidéos. Donc là, vous avez un petit dessin qui vous montre les différentes étapes. Donc j'arrive à Le ligne de premier faute. dessin. Le premier dessin, ben on voit que le pouce y est déjà sorti, hein. Ouais. Ensuite, le bras continue vers l'avant. Et donc là, la boule, elle a roulé sur les doigts. Et le bras, il continue en direction de la trajectoire. Voilà, donc wow, c'est assez simpliste. Mais voilà, on va vous montrer des vidéos. Alors, elles sont ralenties, les vidéos, en super ralenti. Donc, si en plus c'est saccadé, ça va faire du super ralenti On va saccadé. voir, on va voir. Alors, tac, je reviens dessus. Voilà. Non, ça va. OK. Là, on voit bien qu'il y a un temps très important entre le moment où la boule a quitté le pouce et le moment où les doigts ont quitté la boule. Regardez, hop, là, ça y est. Voilà, puis ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit que là, et c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie. On voit que la boule, elle roule sur la main et il tire pas sur les doigts. Et on voit même que le poignet s'ouvre. Ah ben la main s'ouvre, oui, bien sûr. Et les doigts finissent sur le dessus de la boule. C'est le trajet des doigts qui conditionne les rotations. Voilà. Donc la boule, elle tombe de la main, en fait, hein. Elle tombe sur le sol, mais le bras, il Ouais. continue, et donc les doigts continuent le trajet sur la boule. Et plus ce trajet des doigts est important, alors on le voit aussi, plus le trajet des doigts est important, et plus le nombre de rotations va être important. Donc si vous accélérez, si le retour du balancier, je vais la remettre. Ouais, parce que là, on voit bien la décomposition de derrière, hein. Ouais, puis on voit le PAP aussi. Mais si vous accélérez, en fait, vous pouvez pas Décomposer. décomposer. Ouais. Le pouce sortira mal et vous n'avez pas le temps. Les trois doigts vont partir en même temps, en fait. C'est souvent ce qui se passe. Donc, il faut Parce que s'entraîner. on utilise le mot timing pour l'approche, mais il y a également un timing du lâcher. Hein? Il y a, voilà, c'est pour que la boule elle quitte le pouce normalement, qu'elle roule dans la main, hein, et qu'elle échappe des doigts, tout ça, ça doit se faire sous certaines conditions. Ouais, tout à fait. Ok, quelques questions. Je vais revenir sur ça. Tac, tac, tac. Quand je ne pince pas la boule, j'ouvre tous les doigts. Que faire? Oui, parce que c'est réfléchi. Ouais.
c'est pas un lâcher naturel. C'est Jacqueline qui dit, hop, je te laisse partir. Et là, effectivement, ça devient difficile de dissocier la sortie du pouce de la sortie des doigts. Ouais, là c'est du bon. Après, il faut le timing, ça n'aide pas parce que la boule elle est en retard. Mais après, c'est vraiment la sensation à la ligne de faute de la faire rouler. Et il y a un exercice que je peux te conseiller, c'est de prendre une boule très légère, une boule de râtelier, Voilà, exactement. une boule de 6 livres par exemple, et tu mets pas le pouce dedans. Donc tu mets juste les deux doigts. Alors faut que ce soit très léger hein, parce que éviter de te faire mal. Tu mets la boule dans la paume de la main et tu te mets, on le verra sur les contenus d'entraînement, j'ai cet exercice-là la semaine prochaine, et tu mets la boule dans la paume de la main et tu la fais rouler sur la piste. Donc tu peux poser un genou par terre, par exemple, et au début tu la fais rouler. Donc là, tu as déjà le fait que le pouce est sorti et donc tu utilises que la paume de la main pour faire rouler la boule sur la piste. Une autre question. Certains techniciens disent il faut que ta main soit en position pour aller dire bonjour au ki, soit le pouce tourné vers le côté. Waouh. Ouais, ça c'est, on peut à la rigueur dire que c'est la position finale une fois le lâcher terminé. Mais ça peut pas être la position au début du lâcher. Ouais. Non, non, c'est. Ça c'est des vieux trucs. Ouais, ça, c'est des vieux trucs où dire bonjour au ki, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, moi, quand je dis bonjour, c'est comme ça. Et après, l'interprétation, Alors c'est la qu'est-ce qu'on en fait. La question, Stéphane, question de Stéphane, bon bah c'est ouais c'est cup and cup, hein, c'est le poignet en flexion et le poignet en extension, hein, c'est fermé, ouvert, voilà. Et quelque chose que les filles ne font pas d'ailleurs, mais chez les hommes, on peut le faire, c'est plier le coude. Plier le coude, ça favorise en fait une main, les doigts qui vont être sous la boule et qui vont augmenter le nombre de rotations. Il y en a un qui le fait très bien, si vous le voyez en compétition, c'est Valentin Saulnier. Valentin Saulnier, il le fait très bien, ça. Il ramène le coude, il ouvre un petit peu le coude. Ouais, ils le font tous, hein. Gaëtan, il le fait aussi. Alors, c'est léger, hein. C'est une flexion du coude. Une fois que la boule est arrivée, à 45 degrés, je dirais, avant la cheville, pour passer les doigts sous la boule, hein. C'est pas depuis le haut du balancier, hein. Il y a des droitiers qui ramènent le bras gauche après le lâcher. Ça, quoi ça sert? Avoir des rotations de plus ou pas? En fait, le bras gauche, lui, de toute façon, il reste pas devant. Non, Il il est obligé ramène le de. bras à gauche. C'est pas le bras gauche. Il ramène le bras droit en fait à gauche dans Ah, pardon, l'accompagnement en fait. dans l'accompagnement. Ouais. Bah parce que le coude passe devant en fait. Hein, il garde le coude et c'est la main qui tourne. Ouais, mais il y a des joueurs, ils le font pas tous, mais effectivement, où le coude il est ramené comme ceci, et ça augmente le nombre de rotations parce que ça ramène les doigts, ça crée plus de trachée au niveau des doigts. Et après, le bras, lui, il finit effectivement vers l'intérieur du corps, quoi. Ça peut augmenter le nombre de rotations. Ouais. En tout cas, ça amène les doigts plus à l'intérieur de la boule plutôt qu'à l'extérieur de la boule. Les filles, pour les filles, souvent la première tentative de sentir le pouce sortir avant les doigts crée du backup. Je ne sais pas si c'est une Ouais, mais généralité, ça arrive, mais ce n'est pas oui, nécessairement ça une peut généralité. arriver. Ça peut arriver parce que le coude passe devant le corps, en fait.
Donc effectivement, les doigts, ils passent sur le côté gauche de la boule au lieu de passer sur le côté droit. Et ça crée du backup, oui. Alors, je vais revenir sur une question d'Henriette parce qu'elle avait une question. Laisser tomber la boule sur les doigts, laisser dérouler dans la main avec un poignet, est-ce que c'est compatible? Oui, sauf que tu vas pas favoriser en fait ce mouvement-là, là. Ce mouvement d'ouverture Oui, il n'y aura pas d'ouverture. Il n'y aura pas d'ouverture. qui rajoute des rotations. En fait, l'ouverture rajoute des rotations. Mais assez souvent, il y a des filles qui rajoutent un poignet. Soit parce que elles ont des difficultés à modifier le timing. Par exemple, si je prends Shannon O'Keeffe, elle a un timing qui est vachement en retard. Et ils ont essayé de lui faire modifier son départ de boule, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Donc, elle a un poignet pour limiter en fait par rapport à son spin, parce qu'elle spinait vachement la boule. Donc là, mets un petit peu plus de roule. Et puis, des fois, ça permet d'avoir un poignet, ça permet de gagner une à deux rotations. Voilà, ce qui est pas mal chez les filles de gagner une ou deux rotations, ça peut permettre, par exemple, de rééquilibrer un compromis vitesse-rotation. Voilà. Il nous reste, si on avait oublié, il nous reste le jeu à deux mains. Où est-ce qu'on en est? Je vérifie juste le temps quand même. 2h18. Ouais, ça s'arrange pas. Non, mais ce que je te propose, c'est que non, on va quand même parler du jeu à deux mains parce que c'est juste les bases rapidement. En fait, le jeu à deux mains, ben, il est de plus en plus utilisé et c'est plus facile de lancer la boule à deux mains que de lancer la boule à une main, et notamment en termes d'apprentissage pour les enfants. Lancer une boule entre les jambes, là je vais vous montrer la diapo, mais lancer une boule entre les jambes pour un petit, c'est plus facile que d'envoyer la boule à une main. Et donc c'est une évolution. Et quelles vont être les difficultés? Ben souvent, la difficulté du jeu à deux mains, c'est de mettre de la vitesse dans la boule. Parce que systématiquement, on va dégager beaucoup plus de rotation naturellement. Donc, il faut arriver à mettre plus de vitesse dans son jeu. Et donc là, ça va obliger. Si on veut jouer à deux mains et si on veut commencer à faire de la compétition, bah ça va obliger à s'entraîner plus sérieusement et physiquement à justifier un entraînement, un support physique qui va être un peu plus important, parce qu'on est obligé de notamment de rajouter de l'énergie. Alors, les similitudes qu'on peut trouver, donc on va voir les différences et les similitudes. Je sais que Gégé, tu m'avais dit qu'Anto, lui, il jouait à deux mains. Ouais. Il me semble qu'il y a que lui. Les similitudes, c'est que sur la posture de départ, on est à peu près identique. Donc, on voit la photo du bas, c'est Jason Belmonte. La photo du haut, c'est Oscu Palermo. Et au niveau du nombre de pas, on ne voit pas d'approche à quatre pas. Enfin, moi, j'en ai pas vu, mais on voit beaucoup d'approches à cinq pas, six pas, voire sept pas. Donc, c'est la seule différence au niveau des nombres de pas, c'est qu'il peut y avoir un nombre de pas qui soit plus important. Mais sur la posture de départ, on est à peu près sur les mêmes similitudes. Ensuite, là, on va voir les différences essentielles. C'est vraiment sur la tenue de la boule et pas sur la posture de départ, hein. C'est qu'on est obligé de tenir la boule avec les deux mains pour que la boule elle puisse après aller dans le dos, hein, comme ceci. Hein. J'ai une amplitude de balancier qui va être beaucoup plus faible avec le jeu à une main, et donc qui va me demander une inclinaison du haut du Du bus. corps, du buste, voilà, tout à fait, qui va être beaucoup plus importante en fait, parce que c'est dû au fait que je vais pas avoir d'amplitude au niveau du balancier. Donc j'ai une inclinaison du buste qui va être importante. Et donc cette sollicitation physique, on va dire, va m'obliger à me renforcer physiquement.
Et notamment, comme je suis obligé, et on en parlait avec une remarque d'Eric au niveau de l'énergie, comment je vais faire pour mettre plus de vitesse? Ben là, par contre, je vais utiliser le haut du corps. Parce que comme j'ai pas d'amplitude dans le balancier, je vais utiliser le bas du corps, pardon, et donc augmenter mon nombre de pas et augmenter mon rythme, notamment sur les deux derniers pas. Donc avec un avant-dernier pas qui est très court et très rapide, même pour au scoop à l'Erma, il est pratiquement inexistant, enfin, il est même carrément en l'air. Donc là, ça sollicite quand même pas mal d'entraînement. Donc se faire plaisir en jouant demain, on peut, parce que ça permet de mettre plus de rotation et de faire tourner la boule. Mais par contre, si on veut commencer à faire de la compétition, je vous engage à favoriser l'entraînement et à renforcer physiquement tout ce qui est bas du corps, quadriceps, fessiers, abdos, dorsaux, Ouais. parce qu'il y a une sollicitation de l'inclinaison du buste qui est assez importante. Maintenant, de dire que c'est traumatique pour le dos, non, parce qu'en fait, l'inclinaison, on n'est pas sûr de. Je vais me remettre là comme ça. On n'est pas sur de l'inclinaison qui est tordue comme ça. C'est de l'inclinaison qui est comme ceci, tout simplement. Donc, c'est des inclinaisons qui sont droites. Le dos, il se tord pas. Alors, j'ai une question de Sylvain. Est-ce simple ou pas de passer à une main en jeu à deux mains? En fait, ce qui est simple, je vais te donner ton avis parce que tu as aussi des joueurs à deux mains. C'est quand le joueur commence directement à jouer en deux mains, parce qu'il n'y a pas de mémoire sur le jeu à une main. Ce qui est difficile pour l'avoir testé d'un joueur qui joue déjà à une main, donc qui a une mémoire de jeu, c'est sur les postures. C'est ça qui est difficile. C'est la posture, l'inclinaison qui est beaucoup plus importante. Ça c'est difficile quand on passe du jeu à une main à deux mains. Et quand on apprend, maintenant il y a même deux écoles au niveau de l'ETBF. Il y a une école pour ceux qui apprennent directement à jouer en deux mains, donc généralement les jeunes, les enfants ou les adultes, enfin ça peut être les adultes aussi. Et il y a ceux qui veulent, comme ta question Sylvain, il y a ceux qui veulent, je joue à une main, mais voilà, comme j'ai envie de mettre plus de rotation, j'ai trop, ça se justifie, hein, parce que un joueur qui a beaucoup plus de vitesse que de rotation, ben lui, il a tout intérêt à essayer de jouer à deux mains pour essayer d'augmenter son nombre de rotations. Mais là, il y a une autre manière de faire avec ben, peut-être moins d'inclinaison, moins de tilt, ce qu'on appelle, et puis de faire avec la mémoire musculaire qui est faite avec le jeu à une main. Mais quelqu'un qui apprend directement sans avoir une mémoire musculaire au niveau de la technique gestuelle, on va favoriser les inclinaisons, le renforcement musculaire, tout ça. Je sais pas ce que tu en penses, Gigi, sur ce point-là. Oui, en fait, si tu veux, c'est les inclinaisons qui sont vraiment différentes. Alors, on pense souvent à l'inclinaison d'avant en arrière. Ce qu'on voit pas, c'est ce qu'on appelle le tilt, c'est-à-dire l'inclinaison latérale qui est beaucoup plus importante hein, quand on arrive dans la zone du lâcher dans le jeu à deux mains. Ouais, tout à Et fait. là, il faut vraiment musculairement être capable de tenir, hein. Donc la ceinture abdominale et les muscles du bas du corps sont très sollicités. Et puis comme vous avez une vitesse d'approche qui est beaucoup plus rapide, il faut quand même arriver à s'arrêter, donc ça sollicite beaucoup les muscles du bas du corps. Ouais, comme il dit, j'ai essayé, c'est très compliqué. Ah bah sans prof. Sans instructeur, tout seul, ça va être très difficile, Sylvain. Ouais. Et puis commencer à le faire aussi avec une boule de râtelier, se mettre à la ligne de faute, lâcher la boule sans mettre le pouce pour ressentir. Ouais, Et puis c'est les mêmes exercices, hein. ouais, c'est identique. Ouais. Ça, on le mettra sur les contenus d'entraînement. Mais là où c'est très compliqué, c'est ta mémoire en fait. C'est qu'il faut que tu oublies ce que tu sais faire. Et il faut pas essayer d'améliorer ce que tu fais déjà et de rajouter du jeu. Il faut que tu fasses à zéro, direct.
Il faut que tu oublies ce que tu faisais et que tu fasses quelque chose de nouveau. Donc, ça te sort de ta zone de confort et c'est ce qui rend la chose très compliquée. Mais jouer à demain, c'est pas compliqué, hein. Regarde les Alors, enfants, les enfants, ils sont capables d'envoyer la boule à demain, très facilement. Après, la problématique, c'est la direction. Parce que souvent, il y a des problématiques de direction, notamment au niveau de la zone de breakpoint là-bas, parce qu'il y a souvent la tendance à mettre l'énergie avec le haut du corps. Il y a une utilisation musculaire, c'est vrai, qui est un peu plus importante. Et donc, il y a une rotation des épaules qui est importante. Et donc, la boule, elle a du mal à aller en profondeur là-bas. Elle est souvent à gauche du break. Et puis, la deuxième problématique, c'est les spares. Parce que il faut des trajectoires droites et notamment la quille 10, c'est une des quilles qui reste le plus souvent. Bah, comme il y a beaucoup de rotation, je sais pas réguler mes rotations pour un peu qu'il me manque un peu de vitesse. J'ai jamais la quille 10, quoi. Donc au niveau des scores, c'est bien beau, je fais tourner la boule, mais je fais pas de score, quoi. Donc il faut apprendre à lâcher à zéro et il faut apprendre à augmenter sa vitesse de boule. Il y a une Ouais, mais il question faudrait de... qu'on en reparle parce qu'il y a, y a Oui. vraiment des choses qui n'ont rien à voir, vraiment qui sont complètement différentes au niveau des sensations. En particulier, quand on fait le balancier, bah, il y a un moment, donc il y a la main qui tient la boule, celle qui est en dessous, et puis il y a la main qui supporte la boule qui est au-dessus. Et puis à un moment, c'est l'inverse, le poids de la boule passe sur la main opposée. Et donc, il faut qu'il y ait ce transfert de poids à un moment pour que ça soit efficace, hein. Une question de Stéphane pour l'inclinaison des joueurs à deux mains, le drift compense peut-être les torsions du dos? Non. Ouais, si on prend le cas de Belmonte, c'est vrai qu'il a beaucoup plus, il a modifié son jeu et je trouve bon, il y a plus de drift qu'avant et il y a une ouverture du corps qui est beaucoup plus importante en fait. Et c'est cette ouverture qui est difficile. Et j'entends bien Sylvain quand il dit c'est très compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut pratiquement avoir C'est différent. et puis il faut pratiquement avoir le corps qui soit, je vais exagérer, mais perpendiculaire à la ligne de jeu, quoi. Enfin, je suis face au mur avec une boule que je vais envoyer de l'autre côté, quoi. Donc, mais c'est pareil, c'est par sensation. C'est faut le ressentir, ça, et le faire à la ligne de faute. Le power step pour les jeux à deux mains aide pour la vitesse, oui, mais il est indispensable. Mais il n'est pas indispensable. Non, non, il y a même des joueurs à deux mains qui sont sur une. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un, j'ai plus son nom en tête. Mais qui lui marche comme un joueur d'une approche à quatre pas ou à cinq pas. Et il marche, il déroule. Et d'ailleurs, Belmonte, lui, il a ralenti son approche. Avant, il allait Et beaucoup puis plus vite. il a calmé son pas sauté. Ouais. Il y en a un qui ne l'a pas calmé, c'est au scoop à la Oui, fin. c'est ouais. Mais Belmonte, lui, ça lui a, en tout cas, ça lui a permis notamment de gagner. Ça lui a permis de Mais s'ouvrir encore plus la piste en termes de vitesse rotation. Parce que si on regarde bien, c'est pas les joueurs qui mettent le plus de rotation qui gagnent. Ça sert à rien de mettre c'est de ceux qui rotation. maîtrisent. C'est ceux qui maîtrisent les trajectoires, c'est ceux qui maîtrisent la vitesse de boule, c'est ceux qui bon, a cette capacité à lire la piste. Et Belmonte, depuis qu'il a mis moins de rythme, qu'il est plus posé, et d'ailleurs il a décalé beaucoup son approche vers la gauche là, et il met moins de vitesse de boule, là il s'est mis à gagner plus de tournois. Mais ce que fait Kyle Troup est vraiment intéressant. Ouais. Parce que C'est beaucoup là, on... moins compliqué. Alors c'est le timing qui change, hein, c'est tout, hein. ouais. Ouais. Et ce qui est intéressant dans le jeu avec Kyle Troup, c'est que c'est un jeu à deux mains plus traditionnel, plus vers le jeu à une main d'ailleurs. D'ailleurs, Sylvain, tu devrais observer
pas Ouais. Belmonte, mais tu devrais observer Keltrup. Parce que Keltrup, il a un jeu à deux mains qui est plus traditionnel du jeu à une main. Salut Xavier, plaisir de t'avoir ici. Belmonte varie beaucoup sa vitesse d'approche en fonction de sa vitesse. Bah oui. Ouais. Ah oui, parce que tu peux pas Et forcer, hein. je te dis Tu peux pas forcer. depuis que Belmonte a modifié sa vitesse de boule, c'est là qu'il a commencé à gagner plein de tournois, à être meilleur que les autres. Je pense que l'énorme drift de Belmo lui permet de ne pas faire de rotation d'épaule. Oui, je suis d'accord avec ça. Très juste. Bah, en fait, les pieds s'écartent de la trajectoire de la boule, et comme il y a beaucoup de tilt, hein, d'inclinaison latérale du buste, ouais, il faut que le drift chez les joueurs à deux mains est beaucoup plus important que chez les joueurs à une main. Ouais. J'ai une question de José Ignès là à côté. J'imagine qu'il n'est pas conseillé de jouer à deux mains la première boule et de faire ses fermetures à une main. Non, en fait, il faut s'entraîner à jouer des boules droites avec un jeu à deux mains. Il ne faut pas Tout à fait. compenser en faisant un autre jeu parce que c'est hyper compliqué à gérer. Parce que tu rajoutes de la difficulté encore. Bah, c'est déjà difficile de maîtriser une technique de jeu. Alors, s'il faut en maîtriser deux qui sont complètement différentes, là, ça devient compliqué quand même, hein. Même si Oscoop a l'air mal fait très bien, je pense qu'il est un des rares à maîtriser les deux techniques. Alors, je reviens sur une question de JP. Bonjour, je termine souvent mes parties de bowling avec l'intérieur du majeur et de l'annulaire cramé. Est-ce dû aux inserts? Je joue à une main. Oui. Alors, il peut y avoir plein de choses. Là, il faut checker la Faire tenue de ça. boule. Peut-être que le span est peut-être un peu trop tendu. Peut-être qu'il y a trop d'angle avant sur les inserts. Peut-être que les inserts sont usés. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, hein. Et puis, tu en avais parlé aussi sur la tenue de boule, que souvent on a tendance à enfoncer ses doigts plus profondément Ouais. pour mettre plus de rotation. Ça marche pas. Ça marche pas. OK. Et donc, si elle se blesse au doigt, qu'elle change la taille des inserts et qu'elle s'habille les doigts, hein, avec les tapes qui sont vendues pour ça. Et moi, j'ai deux joueurs qui peuvent pas jouer si, ben, les deux meilleurs, hein, ceux qui ont fait les championnats d'Europe à plusieurs reprises avec la Belgique. Bon, ben, ils ont la peau fragile, il faut qu'ils s'habillent les doigts, hein. Ouais. Juste, il y a une remarque aussi de Joël qui disait, mais pour une boule à deux mains, alors je pense qu'il a voulu dire pour un jeu à deux mains, le perçage doit être calculé différemment. Bon, en fait, il n'y a pas de pouce, donc Ah bah il n'y a pas de span, donc il n'y a que les doigts percés. Mais par contre, c'est bien, comme le jeu à une main, d'avoir des angles qui soient vers l'avant. oui, c'est même un peu Et. accentué parce que on s'est aperçu que bon, en voulant mettre plus de rotation et en disant bah, je vais mettre plus d'angle vers l'avant. Bah en fait, on enlève de l'énergie, on retient la boule. Ouais, ce que je veux dire, oui, non, c'est Hein? Et mettre là, je me suis trompé, c'est de mettre de l'angle de vers l'angle, on met de l'arrière. l'angle arrière. Ouais, on met de l'angle Ouais, on arrière. met de l'angle arrière. Et on met pas d'angle avant. OK. Bah, écoute, ça, c'est la dernière diapo. Donc, c'est une petite synthèse par rapport aux fondamentaux techniques. Donc avec des exercices spécifiques, donc on a vu notamment avec l'exercice à ligne de faute, le dernier pas. Alors je vais changer ça. J'arrive pas à enlever le commentaire. Faut que je revienne dessus. Voilà. Tac. Et donc les divers exercices à ligne de faute qu'on aura l'occasion de revoir, notamment sur les contenus d'entraînement.
On est tous différents, hein, donc le copier-coller, on évite. Ce qui est important aussi, c'est Ouais. d'observer ce que font les autres, différents styles, parce qu'il y a différents, il n'y a pas qu'un seul style qui gagne, il y a différents styles qui gagnent. Et donc, bah, en fonction de ses objectifs et puis de surtout de ce qu'on est capable de faire, hein, ses habiletés physiques, les habiletés cognitives et puis son morphotype, si on est grand, si on est petit, si on a des grands leviers, des courts leviers. En tout cas, moi, ce que je vous conseille pour optimiser la technique, c'est il y a un moment donné où faire de la technique pour de la technique, Ouais. ça va pas vous apporter de la confiance. Donc la technique c'est bien, mais à un moment donné, il faut lâcher la technique parce que le geste parfait, c'est le geste qui va vous permettre de mettre régulièrement la boule dans la poche, c'est-à-dire d'envoyer la boule sur la trajectoire que vous désirez et d'avoir la capacité de vous adapter et de vous réadapter en fonction d'un environnement qui bouge et qui évolue. Voilà le geste parfait. C'est pas de faire strike tout le temps parce que l'environnement fait que vous n'allez pas faire strike tout le temps. C'est pour moi mettre tout le temps la boule dans la poche et de réaliser ses spares. Voilà. Voilà. Parce que si on pense au strike, en fait, on va créer, assez souvent, on va créer des gestes parasites. Et de L'essentiel est l'attention. d'envoyer, et l'attention, l'essentiel est d'envoyer la boule là où vous le voulez. C'est ça, la technique, elle doit être enseignée et elle doit être travaillée pour faire ça. La technique, elle n'est pas travaillée pour faire du strike. Parce que pour faire du strike, il faut mettre la boule dans la poche. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Et si je travaille ma technique, si je veux améliorer ma technique, c'est pas pour faire du strike, c'est pour envoyer la boule sur la trajectoire. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que je travaille techniquement pour faire du strike. Oublié. C'est pour juste être capable d'envoyer une boule sur une trajectoire. Et lorsque la piste me dit, Eric, il faut que tu bouges. Il faut que tu ailles à droite, il faut que tu ailles à gauche. Là, je prends des décisions. Ben, je suis capable de bouger et je suis capable de renvoyer la boule sur la trajectoire là où il faut. Si vous dites, OK, il faut que je fasse un strike, hop, vous rajoutez des tensions, vous rajoutez des gestes parasites et vous oubliez l'essentiel qui est juste d'envoyer une boule sur une trajectoire. Donc, la technique, oui, mais par la tactique. Et après, par le mental, parce que, notamment sur la posture de départ, on va être dans la visualisation, on va être dans La préparer son routine. lancer, la routine, etc., etc. Et bien entendu, le plaisir de jouer au bowling, mais ça c'est une remarque de Julien. Salut Julien. Mais le plaisir de jouer au bowling, il sera plus facile à prendre si mon objectif il est d'envoyer la boule sur la trajectoire plutôt que de faire du strike. Parce que de faire du strike, obligatoirement, on est assez souvent dans la frustration. Parce qu'on peut faire un bon lancer et faire neuf. Et ça n'a pas fait strike, donc ça veut dire que c'est un mauvais lancer. Non. C'est un super lancer. Ouais, faut savoir se donner des récompenses. Ouais. Bon, bah, écoute, très bien, 2h40 quand même. Wow. Waouh. Bah, la technique, elle était attendue et on vous a pas tout dit. Hein. On en garde sous le coude, hein, on en garde pour nous. On va vous donner rendez-vous. Merci pour vos questions. C'était super. On va vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine. Même combat et mêmes horaires. Et donc là, c'est comment s'entraîner et les contenus d'entraînement. Voilà, GG, bah écoute, bonne soirée à toi. Merci, Ouais, bah, bonne pour tes soirée conseils. à vous tous. Bon appétit. Bon apéro. Ouais. C'est pour Philippe, ça. C'est pour Philippe Ah, Veoski. d'accord. Tu prépares le terrain. Et ouais, et à bientôt. À Ok. mercredi. Ok, à mercredi. Au revoir tout le monde. Merci pour vos questions Bye. et si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, on vous y répondra. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne semaine à vous. Ciao, ciao.